Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Seed of Investigator. Pour la deuxième fois, je re reçois Jean-Charles Moyen qui nous vient avec euh, un nouveau documentaire, avec encore des preuves et j'ai l'honneur de le recevoir. Bonjour Jean-Charles. Salut Kevin, c'est encore un plaisir d'être à ton émission. Euh, on va parler de beaucoup de sujets aujourd'hui. Exactement. Et justement, tu nous sors encore de tous les fagots quelque chose d'inattendu, comme tu es très conservateur, encore une fois je le rappelle, ta famille aussi. Tu me disais que tu avais gardé des enregistrements parce que tu tenais non seulement un bouc, un carnet mmh. de, de notes, mmh. plus tu faisais des enregistrements lorsqu'il t'arrivait euh, des faits dans la vraie vie. Et tu prenais le réflexe d'enregistrer, ce qui est extrêmement rare, extrêmement bien, et ce qui prouve aussi ce que tu lisais était anormal. Et exactement. Et... et voilà, et tout à fait. Et donc, en fait, euh, euh, j'enregistrais euh, tout ce que je pouvais avec tout ce que j'avais sous la main. Euh, mais malheureusement, avec le temps, tu sais, euh, euh, quand ça fait pas cinq ans, mais ça fait plusieurs décennies euh, que tu as enregistré ça et que tu as déménagé au Canada, il euh, eh ben, euh, y a des choses qui se perdent dans les, dans les transports. Il euh, y, y a des choses qui disparaissent aussi parce que j'ai eu un problème de... D'inondation chez moi, euh, dans la première maison où j'étais. Oui, voilà. Donc les cartons ont pris l'eau, puis il euh, y a des choses, oh, ben, ça c'est des vieux souvenirs, j'ai jeté des papiers, euh, j'ai même jeté des, des cassettes. Et, et tu vois là, les cassettes que j'ai retrouvées, une où je me souvenais que j'avais enregistré, c'était avec Jimmy Gueux, euh, en 92 euh, à la radio Tour Eiffel 95.2, mais l'autre, je ne m'en souvenais pas. Et pourquoi je ne m'en souvenais pas Eh bien parce que le temps avait passé, mais j'ai eu un accident cérébral très grave euh, dans le bar où je travaillais euh, il y a plusieurs années de ça. Et, euh, et j'étais mort 9 minutes. Plus aucun battement de cœur, aucun pouls, aucune respiration. Euh, je, peux, je peux te le résumer un petit peu comment ça s'est passé. Je travaillais dans, dans un bar au niveau de la sécurité et il y a eu une bataille qui s'est déclenchée. Et au moment où j'ai saisi le, le gars pour l'immobiliser par l'arrière. Il était assez massif. Euh, il a reculé euh, sur moi et il a posé son pied sur mon pied. Donc mon pied d'appui, je ne pouvais plus bouger. Donc toi, je ne pouvais plus reculer. Et là, il, il a pris un coup de poing en plein visage par un gars. Et, et en reculant, comme il a été knocké, en reculant, je suis tombé avec lui. Jusque là, il euh, y a rien de trop grave. Je tombe avec un gars par terre. Ouais, mais voilà, derrière moi, euh, c'était pas du plat. Il y avait un haut-parleur, plusieurs haut-parleurs dans une boîte de nuit. Avec un coin comme ça, euh, tranchant de, de haut-parleur en, en acier. Et ma tête à l'arrière a, a frappé le coin du haut-parleur euh, du haut de mes 1m85, plus le poids du gars et ma hauteur, comme ça. Là, plus de son, plus d'image, plus de Jean-Charles. On ouais. m'a raconté que quelqu'un a dû me faire les premiers soins, m'a retiré ma veste par balle, parce que je travaillais avec une veste par balle à l'époque, parce que même encore maintenant, euh, c'est dangereux de travailler dans les bars, on ne sait pas sur qui on tombe. Oui, évidemment. Ouais, en exact. tout cas, je travaillais qu'une veste par balle. Donc, il a fallu qu'elle me retire tout ça. Et puis, euh, prendre mes, mes, mes signes vitaux et tout. Et il n'y avait plus rien pendant 9 minutes. J'avais la tête qui avait triplé de volume. Parce que quand ta tête frappe, ton, ton cerveau. Forcément, il, forcément. Avec l'impact. Il, il, il s'expand, etc. Et euh, j'avais les yeux grands ouverts. Et donc, imagine-toi, j'étais comme ça par terre. Et je bougeais pas, je respirais plus. Et les gens se battaient dans le bar. C'était une folie. On m'a raconté. Et euh, les gens m'enjambaient, mais sans me reconnaître. Tout le monde se demandait Mais il est où Jean-Charles Il est où Il est où Comme je suis euh, portier, c'est sûr que là, euh, tu as besoin, besoin d'un coup de main, tu vois. Et là, bah, il réalise que je suis par terre. Et là, c'est c'est, une catastrophe parce que tout le monde tout le monde commence à dire Mais, mais il est mort. Et là, c'est ça. Donc, euh, les ambulances arrivent, etc. Euh, je n'ai aucun souvenir de quoi que ce soit. Je suis mis dans l'ambulance, toujours. Euh, Inerte, bien sûr. Et durant le, le fait que je suis dans l'ambulance, <coughs> je sens quelque chose de froid, comme si on me déposait sur quelque chose de froid, comme si j'étais nu. Je, je reprends connaissance, mais dans cet endroit qui, 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 qui est complètement bizarre, très lumineux, et autour de moi il y a plusieurs êtres, euh, on, va dire, on va dire des êtres, mais des, des découpes de personnes, comme des ombres mais blanches, qui sont penchées au-dessus de moi. Puis j'entends pas ce qui se dit, ça, ça me touche, c'est bizarre. Et j'entends en arrière-plan la musique d'Amazing Grace, la musique d'église, Amazing Grace. Et là, je me dis, euh, mais merde, je suis où, quoi, tu vois Et puis d'un seul coup, ben, je reprends connaissance dans l'ambulance. Et dans l'ambulance, je me rends compte que, un, il y a un, un radio pour les appels d'urgence, donc il n'y a pas du tout de radio, t'écoutes pas. T'écoutes pas la musique quand tu vas chercher des gens, tu sais. Et ça. les gars autour de moi sont habillés, je pense que c'est en gris et rouge et noir, c'est marqué premier répondant dessus. Donc je me dis, mais où j'étais, tu vois. Et là, j'arrive à l'hôpital, et à l'hôpital, bon bah, je suis mis dans une chambre et tout ça. Pendant ce temps-là, il euh, y a une personne qui est le DJ de, de, de la place, qui appelle ma, ma conjointe de l'époque et qui lui dit, il faut que tu viennes d'urgence, il s'est passé un drame. Euh, Jean-Charles.. Je pense qu'il est mort. Alors ça te réveille quand même, hein quand quelqu'un t'appelle pour te dire ça à 3h du matin. Donc là, pas ben, ouais. ben, une, pas deux, elle prend sa voiture, elle arrive à l'hôpital de Saint-Hyacinthe parce que j'avais été euh, hospitalisé à l'hôpital de Saint-Hyacinthe qui est à côté de chez nous. Et elle arrive à peu près, je ne sais pas, 35, 40 minutes 40 minutes plus, tôt, plus tard. Pardon. Et euh, quand elle ouvre la porte, elle, pour elle, elle, va trouver quelque chose de terrible, tu vois, la tête complètement euh, déformée et tout. Et non, je suis assis sur le bout de mon lit. Euh, tranquille, euh, la tête complètement désenflée, et euh, je suis là, euh, qu'est-ce qui se passe Donc elle, évidemment, euh, euh, elle, savait pas des pas choses, sur... elle savait des choses sur moi, tu vois, c'est normal. Après sept ans passés avec elle. Forcément. Sauf que là, euh, bah, ça frappe, quoi. Euh, elle arrive et puis je suis tout à fait normal. Donc, il euh... faut quand même savoir que quand tu fais une commotion cérébrale de type 2, hein, c'est le niveau euh, très très élevé, avec perte de connaissance et puis euh, 9 minutes, euh, plus rien, euh, ta tête ne désenfle pas comme ça. Hein? D'ailleurs, euh, lorsque j'ai fait l'entrevue hier avec euh, UFOMAN, il euh, y a euh, la personne, je pense que c'est Polly, qui a dit qu'elle avait déjà eu un accident cérébral. Alors, je ne sais plus si c'était un accident de ski ou de voiture qu'elle avait eu. Et elle avait dit que ça avait pris des jours et des jours et des jours avec des anticoagulants, des anti-inflammatoires pour que Mais ça. Évidemment! Te... Redeviennent normal Et tu et vas dire une cérébrale travail. et tout ça. Ben oui, c'est comme quand tu prends un KO euh, lors d'un combat de boxe. Tu ne peux pas ah, euh, combattre avant ben au moins trois mois. Donc, euh... Alors, euh, si ce pas un travail de bureau que je faisais après, moi, c'est de la sécurité. Si jamais ça pète dans le bar, euh, il sûr. faut que tu sois opérationnel. Donc là, le lendemain, je travaillais dans un endroit où euh, ça pouvait brasser, tu vois. Et non. Euh, donc, euh, on m'a laissé rentrer euh, tranquille, euh, travailler. Euh, écoute, c'est Jean-Charles. Alors, il, il est bizarre, on va... On va le laisser comme ça. Mais dans la journée, j'avais passé un scanner. Euh, J'étais allé à Longueuil, euh, au centre de radiologie. Euh, je donne des noms de villes parce que c'est ce qui me revient. Et puis les gens en France qui non, vont dire, ils vont dire bah ouais, Mais c'est quoi Longueuil On ne sait pas. Bah, Longueuil, c'est une ville. Hein. Oui, <laughs> c'est la Québec. banlieue de, de Montréal. C'est ça. Et dans lequel il y a un grand centre de radiologie dans lequel je suis allé. Et quand je suis arrivé pour passer mon scanner, euh, eh bien, il ne fonctionnait pas. <laughs> Déjà, très étrange. Déjà, ça commence. Alors, euh, le radiologue, il dit, euh, qu'est-ce qu qui se passe Je comprends pas bien. <laughs> Moi, je savais, mais bon, j'étais super stressé. Tu comprends que je viens de me péter la tête euh, <laughs> dans la matinée oui, oui. très très tôt. Euh, bon, je me dis, OK. Donc là, j'essaie de me calmer du mieux que je peux. Et puis, euh, le, le scanner refonctionne. Donc, on passe le scanner. Et le, le médecin me dit, bah vous aurez le résultat dans plusieurs jours. J'ai dit, attendez. <laughs> Non, non, vous ne comprenez pas. Euh, moi, j'ai besoin de savoir ce qui se passe. Euh, parce que là, avec ce qui m'est arrivé, euh, je, je, il faut que je sache. Écoutez, les résultats, c'est comme ça, ça, ça part en, en analyse, etc. Et, tout. Bon. et une couple de jours plus tard, euh, il m'appelle et il me dit au téléphone, euh, il faut que je vous voie. Je dis, OK, euh, qu'est-ce qui se passe Je ne peux pas vous le dire au téléphone. Alors déjà, là, ce n'est pas bon signe, tu vois. <laughs> Quand quelqu'un hein <laughs> te dit ça, tu dis, mais qu'est-ce qu'il a trouvé en fait, c'est un protocole. Ils n'ont pas le droit de te le dire au téléphone parce que si tu as une mauvaise réaction, euh, ils ne veulent pas s'en sentir. Si tu de la voiture ou tu peux avoir quelque chose oh d'encore de plus, de plus grave. Exactement. Ouais. Donc, bah, finalement, euh, je me rends là-bas et puis euh, je rentre dans son bureau. J'étais quand même fébrile. Hein, ça, je peux te le dire. Tu pas ça Et euh, il me dit Ça va Je lui dis euh, Bah non. Qu'est-ce qui ne va pas bah, Je lui dis Non, c'est vous. Vous me dites que. Il dit Non, mais écoutez, asseyez-vous. Euh... J'ai jamais vu ça de ma carrière, hein, plus de 35 ans de radiologie. Euh, j'ai mais qu'est-ce que vous avez trouvé Il dit bah justement, j'ai rien trouvé. Ah bah dit, ça c'est la bonne nouvelle. Ok, d'accord. Mais enfin bon, qu'est-ce que vous voulez dire par rien trouvé Il dit bah c'est ça. Le problème, c'est que vous n'avez rien. Je vous êtes sûr que c'est ma radio Parce qu'il peut y avoir une erreur médicale, hein, Ça peut arriver. Non, non, non. C'est bien vous, jean charles Le Moyen. Votre numéro d'assurance sociale, tout est là. Simplement, c'est que oui. j'ai analysé votre, votre radio euh, plusieurs fois et vous n'avez aucune lésion. Rien, comme si vous n'étiez jamais tombé sur la tête de votre vie, même pas une lésion sur le cuir chevelu. Ben, ai dit, mais c'est pas possible, je lui dis, je me suis pété le crâne sur un coin en acier. Il dit oui, c'est ça, oui. oui. Alors, il aurait dû y avoir une impact et vous, le cuir chevelu fendu. Puis j'ai euh, votre, euh, votre ordonnance euh, d'ambulance comme quoi euh, il y a marqué euh, euh, trauma les vols deux. Donc euh, non, non, c'est incompréhensible. Et il dit euh, <laughs> pour rigoler comme ça, il dit. Euh, Oh vous devez être protégé euh, par quelque chose de céleste ou je sais pas moi vous êtes, ou vous êtes un extraterrestre mais comme ça hein, en boutade Oui, en boutade ouais. <laughs> là que je dis ok d'accord et euh, c'est quoi la suite bah rien bonne chance <laughs> alors là euh, je repars tout content mais en même temps je suis pas très rassuré parce que je me dis peut-être qu'il s'est planté le gars admettons <laughs> oui c'est ça il aurait il aurait pu euh, inverser le dossier mais le problème Problème, non, y avait, il y avait, y avait tout. Alors attends, voilà. C'est ça. Alors, le truc. Numéro, je veux juste revenir pour ton assurance sociale. Oui. C'est que dès que tu as un accident, ils sont obligés de prendre ton assurance sociale. Et ton assurance sociale, ok, au Canada, ouais, ouais. est extrêmement important. Ouais. Ce n'est pas comme en France. Euh, ça ne tue pas pour tout. Et ça te suit pour tout. Oui, oui, tout. Euh, C'est vraiment important. C'est comme aux États-Unis, au Canada. Le numéro d'assurance sociale est important. Donc, ils ne peuvent pas se tromper de dossier. Non, exactement. Donc, euh, je continue. Et finalement, euh, euh, bon, bah, la vie reprend son cours et tout ça. Et puis, euh, c'est un épisode de ma vie où il y avait quand même, euh, je pense que euh, à cette heure-là, quand ça s'est passé, il devait être deux heures, euh, trois heures moins dix. C'est l'heure de la fermeture, c'est 3 heures du bar. Donc, 10 euh, minutes avant que ça ferme, quand ça a pété, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Parce que le bar où je travaillais, il y avait toujours beaucoup de monde. Et je pense qu'on était, euh, écoute, peut-être à capacité maximum, peut-être 250 euh, personnes encore à ce moment-là. Tu sais, c'est énorme. Mais hein tout le monde se souvient de ça. Et il y a même des, des portiers que je connaissais, parce qu'on se connaît tous, mais ils habitaient à Québec. Et Québec, c'est quand même loin d'ici, hein, on s'entend. Euh, la ville de Québec, qui sont descendus pour venir me voir. Parce qu'ils euh, n'y croyaient pas. Quoi. Ils se disaient Attends, pas Jean-Charles, c'est pas possible. Il n'est pas mort, hein, ça ne marche pas. Et j'étais parti faire mes courses euh, le jour même, donc euh, dans la fin de journée, euh, au supermarché, donc tu vois, dans la même journée. Et là, le petit commis euh, qui met euh, tes affaires dans ton sac en papier, euh, il dit ah Bonjour, ça va Oui, je dis Ça va. Vous êtes au courant euh, Ou tu es au courant, je ne sais plus s'il si m'avait oublié ou pas. Mais euh, hier, il y a eu une. Une grosse bataille dans le bar et tout ça à côté. Euh, je dis oui, oui, oui. Il y a même eu un mort. Ça, ça s'était vite. Euh... J'ai dit oui, oui. Ah j'ai veux... oui, petit village, petite ville. Là. Je dis oui, mais en... ouais, c'était moi. Ah, tu veux la tête du gars À ce moment-là, à ce moment-là, le gars, tu sais. Et, et... <laughs> le gars, il était sous le choc avec ses, ses paquets. Puis il fait Mais oui, c'est vrai, c'est vous. Bah, je dis oui, c'est moi, c'est Jean-Charles. Mais comment euh, c'est possible euh... Je dis, ah, les voies du Seigneur sont impénétrables. <laughs> je suis parti. Donc, ça reste un mystère. Quand j'ai raconté cette histoire, il y a beaucoup de gens qui ont dit, bon, bah oui, c'est possible et tout ça. Mais bon, c'est encore un truc hallucinant qui m'arrive, tu vois. Comme l'histoire de mon pied où je faisais mon lit et je me suis pété le, les doigts de pied dans le, dans le bord du, du lit et que j'avais le pied cassé, il, il s'est mis à gonfler euh, et euh, il était violet, mauve et je pouvais plus poser le pied par terre. Donc euh, je ne travaillais pas ce soir-là, donc fort heureusement. Donc je me suis couché et euh, dans la nuit, j'ai senti qu'on me déposait sur quelque chose de froid encore. J'ai senti comme des petites mains qui me touchaient. C'était vraiment très bizarre. Et quand je me suis réveillé le matin, eh ben, je, je pose mes pieds à terre, puis je m'en vais aux toilettes, tu sais, euh, normal. Puis je me dis, mais merde, je, je marche. Tu un truc machinal, toi, tu te réveilles comme tous les matins. Et je me rends compte que mon pied est complètement réparé. J'avais le pied cassé. Ah oui. J'ai pris des photos avant et après le matin. Et tu vois les dates de photos. Donc, il y a eu encore quelque chose qui, qui a fait que j'ai été réparé. Et le truc, c'est que je reviens à ma commotion cérébrale. Je trouve un dossier avec les radios de tout ce que je viens de te dire, les dates. Alors, bien sûr, j'ai euh, rayé mon numéro d'assurance sociale, hein, c'est normal, <laughs> et mon adresse. Oui. Mais... On voit l'heure à laquelle ça m'est arrivé, l'appel d'ambulance, quand est-ce que j'étais transféré, la date et l'heure du scanner et le résultat. Et tu vois bien que ce qui est écrit le jour où c'est arrivé est le résultat de ce qu'ils ont trouvé, c'est-à-dire rien n'est pas possible. Tu peux avoir un traumatisme crânien de, de niveau 2 et euh, tu as les résultats qu'on te dit, euh, qui ont été pris tout de suite. Hein. Euh, vous n'avez rien. Mais non, je ne peux pas rien avoir. Là, il y a marqué « Je me suis pété le crâne ». Et là, vous dites que vous n'avez rien trouvé. Juste le fait de l'impact, il y aurait marqué « Petite fissure sur la boîte crâne. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Oui. Le fait que tu aies yeah. les yeux révulsés, il y a eu un choc extrêmement fort. Et... Il y a une trace. Point, il y aurait eu, il y aurait une trace d'impact. Il y aurait eh une oui, trace oui, de fissure. De ces trois la là, fois euh, puissance. Euh, voilà, voilà. Moi, j'ai des potes qui se sont mille. pété la tête euh, en quad, euh, ou alors euh, en hockey. Euh, je vais te dire, euh, ils avaient euh, une bosse encore. Euh, puis ils dit tiens, regarde mon cuir chevelu, puis c'est fendu. Enfin bref, euh, normalement, j'aurais dû saigner et tout ça. Enfin bref, tout. Là, ça n'a pas de sens. Et le lendemain, oui. le lendemain de ton, de ton accident, oui, tu es revenu travailler. Et normalement, il euh, n'y a pas eu, de, y a pas eu de, de, de bataille ou quoi que ce soit, mais je me sentais très, très bien. Et les gens qui étaient présents euh, à cet accident-là et qui sont allés prendre une boisson, un drink le lendemain, quand ils m'ont vu à la porte, « Bonjour, bonne soirée, carte d'identité, s'il vous plaît. »« <laughs> Attends, t'as un frère jumeau ou... <laughs> ?»« Non, c'est moi. »« Mais Jean-Charles, t'étais mort. Bah, »« Il faut croire que non. »« Oui, mais je comprends. »« Mais là, c'est... » C'est parce que tu t'es pas censé être debout normalement, ta tête. Et là, ils me disent tous Mais quoi, ma tête Mais ta tête, elle avait triplé de volume. Ok, donc là, j'ai eu la, co la confirmation de, de plein de gens. Mais tout le monde. Euh, j'ai toujours été un mec super gentil avec tout le monde. Euh, N'importe qui serait interviewé, interviewé euh, en disant Qu'est-ce que vous pensez de Jean-Charles comme portier, ils diraient tous bah, Attends, euh, il a sauvé la vie de ma soeur, de mon cousin. Euh, souvent, des fois, de. Du père ou de la mère de quelqu'un que je connaissais, euh, parce que tu sais, euh, ça fait 20 ans que je suis ici, donc euh, j'ai bourlingué, tu vois. Et, et, et donc c'est ça, donc les gens se souviennent de ça. Alors quand maintenant je sors, alors je suis plus portier, mais que je sors avec mes histoires euh, qui sont euh, hallucinantes pour certains, ceux qui me connaissent disent, bah, en tout cas, euh, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, nous, euh, on l'a connu pendant 12-13 ans de portier, il euh, y a des choses vraiment bizarres qui se sont passées avec ce gars-là, notamment ça, où là, on a tous été témoins, et il y a. Zéro explication. Et la première personne qui me dit Ouais, moi j'ai une explication, bah, je t'attends. Ouais, parce que là, même le médecin en 35 ans de radiologie, il comprend pas. Et, et... <laughs> et voilà. Et il et un truc important. Oui. Et que je veux que tu racontes ce soir, tu ne l'as jamais raconté, et dont je suis encore une fois témoin. Mmh. Déjà, je tenais à te féliciter pour ton ascension depuis ces quatre ans. Ah, oh, c'est gentil, tu... merci. J'ai vu ton évolution. Tu as hypothéqué ta maison, tu es parti de rien pour en mmh. arriver là où tu en es. Et là, pour ça, félicitations. Merci beaucoup. Je sais le cœur que tu as mis, l'énergie que tu as mis, euh, la sueur, des larmes, etc. Les etc. Euh, et pro problèmes aussi. Euh... Ça, je suis témoin de, suis témoin de <laughs> tout ça, toute ton évolution. Et ouais, J'ai ouais. euh, tiré un peu sur cours, la corde, hein, je te dirais. En cours, s'il le faut. Ouais. Mais là où je veux en venir, c'est que je veux te féliciter parce que tu as atteint un niveau où tu as été interviewé par Gaia Et tu veux voir où je veux en venir Ah oui, c'est vrai. Tu as été interviewé par Gaia TV. Et notamment par le ah. grand George Nouri. Coast to Coast. George... Et George Nouri, voilà, qui tient euh, cette grande émission oui. qui est extrêmement connue aux États-Unis et même en Europe. Ah, c'est la référence. Coast, hein. coast oui. to Coast. C'est une référence. Et tu as été interviewé par cette personne-là, Georges Nourri, qui est un personnage emblématique. Mmh. Et voilà. D'ailleurs, c'est bien que tu fasses cette parenthèse parce que ça me permet de rebondir sur ça. Euh, je crois me rappeler euh, que Bob Belanca euh, de BTLV s'est inspiré fortement de. parce qu'il avait beaucoup d'admiration pour, euh, pour justement ouais. Cause to Cause, cette émission, hein, qui était mieux placée que le Larry King Show, euh, qui était vraiment quelque chose. Euh, Hallucinant, avec plusieurs millions de, de personnes qui, qui écoutaient ça. Donc, ça couvrait tous les sujets, hein, le paranormal, les extraterrestres, etc. Donc, c'est sûr que se faire interviewer déjà par Gaïa, c'est déjà quelque chose d'hallucinant, mais se faire interviewer par Georges Nouri lui-même, et pas à la radio, mais en face à face, c'est quelque chose que tu ne connais pas. C'est une référence. De... Exactement, exactement. exactement. Et d'ailleurs, sur Coast to Coast, tu m'avais raconté qu'il euh, y avait eu un témoignage très particulier de l'homme de la zone 51. Et oui, et oui, tout à fait. Il y avait un une mystérieuse personne qui avait appelé la radio euh, et qui était en panique totale et qui disait qu'il travaillait au... Je pense que c'était au sous-sol S4 euh, et qui euh, était en train de dire euh, « Voilà ce qui se passe en bas, il y a des hybridations, il y a des humains qui sont cis là, euh, les extraterrestres sont là. » Et le gars, euh, euh, si c'était un acteur, c'était le meilleur acteur que j'ai entendu de ma vie. Le gars, il, on sentait dans sa voix... dans dans le timbre de sa voix, que le gars était en panique, il était au bout de sa vie, et euh, il ils vont arriver, ils vont arriver. Personne riait à l'antenne. D'un seul coup, ça a coupé, et on n'a plus jamais entendu parler du gars. Il a disparu, et c'était c'était en direct. Et c'est quelque chose qui a qui a quand marqué les esprits des gens euh, dans l'émission de cause to Coast, parce que c'est une des principales euh, comment dirais-je euh, interviews hallucinantes. Et donc il y avait plein de trucs comme ça, des gens qui appelaient comme ça au standard et tout ça. Donc Georges Noury a toujours été, alors il a été diffusé dans plus de 700, 700 radios, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que quand Coast to Coast passe, elle est rachetée par plein plein de radios locales. C'est quelque chose qui, qui est vraiment connu là-bas. Donc raconte-nous comment, comment ça s'est passé, euh, euh, l'envers du décor, comment euh, Gaïa a pris contact avec toi et, et, oui. et, et, et par qui Alors tout à fait, alors donc en fait ce qui s'est passé, c'est que euh, mon ami Dan Willis, qui est un des premiers divulgateurs. Oh, salut. Euh, salut Dan. En 2001, à Washington, avec le docteur Stephen Greer. Si vous tapez, vous, vous tomberez sur la grande table dans laquelle il y avait Donna, <coughs> Donna Hare et puis d'autres personnes, des militaires, etc. Il y avait le docteur Stephen Greer et il y avait Dan Willis au bout, qui est un, un ancien militaire dans les euh, télécommunications. Oui, exactement. Et donc, euh, lui, en 2001, il a balancé des, des informations sur, euh, sur ça. Et euh, il a fait des chronologies sur euh, son site internet webmatrix.net, sur lequel euh, on mettra le lien, sur lequel il y fait une chronologie de tous les divulgateurs au monde sur les programmes spatiaux secrets, sur la rétro-engineering, sur toutes ces choses-là. Eh bien, lui euh, a parlé de moi euh, parce qu'il est passé à Gaïa euh, en disant « Écoutez, j'ai un, un ami euh, que, que, que j'estime beaucoup et qui a vraiment des preuves de ce qu'il avance euh, durant toutes ces années. Donc, euh, ça serait bien que vous le contactiez. » Mais moi, à ce moment-là, j'ai aucune idée euh, que je vais me faire contacter oui, par ah. Gaïa. Oui, et puis aucune idée aussi de sa démarche. Et non, non, parce que je lui, sais pas. Il, a fait, il a fait ça de, de, en voulant faire le bien et en préférant Oui, oui. par rapport ça. à ce qu'il de, de, de par rapport à ce qu'il avait vu, lui aussi. Il m'en a pas parlé tout de suite. Donc moi, je suis contacté par Gaïa, euh, par email. Bonjour, euh, nous sommes Gaïa. Euh, euh, je suis le producteur. Euh. Là, sur le coup, je me dis bon. C'est quelqu'un qui me fait une blague, tu vois. Parce que pourquoi Gaël m'appellerait moi, tu sais Moi, le petit français insignifiant, comme certains disent, ouais, bien qui, sûr. que personne ne connaît. Et donc, euh, sans aucune prétention, bien sûr, mais enfin bon, il faut appeler un chat un chat, hein, comme on dit en vous euh, ça bah, Maintenant, ça, ça commence non. à faire euh, avec bah là, euh, on va, on va la y venir. France, on... le Canada, les États-Unis, le Japon, on, on va y venir On va y Et venir. Etc. Brûle pas tous les cartouches en même temps, on va y venir. Ouais. Donc là... Euh, je réponds à l'email en disant bonjour, est-ce que c'est. Et je dis vraiment, est-ce que c'est une blague C'est vrai, je dis, je dis ça. Non, non, c'est pas une blague, je voudrais faire un, un appel Zoom avec vous, euh, vous parlez. Et là, je parle au producteur de Gaïa. Déjà, déjà, <laughs> déjà. Déjà. Déjà, et, euh, face to face. Oui, oui. Et euh, il me dit, oui. euh, je, je peux vous accorder juste 10 minutes parce que je suis vraiment très occupé. Et donc, il était avec sa petite fille sur les genoux et tout ça. Et. Et finalement, ça a duré plus d'une heure, la conversation. Parce qu'il était captivé par ce que je disais. Et j'ai dit, excusez-moi, je peux vous poser une question Il me dit, oui. J'ai dit, euh, qui c'est qui vous a parlé de moi Il dit, mais vous connaissez Dan Willis mais bah, Je dis, oui. Il dit, bah, écoutez, euh, on, on sait c'est qui. Puis c'est une personne qui a une renommée mondiale. c'est pas le genre de personne qui prend pour les autres et qui se, comment dirais-je, qui valide les autres comme ça. Euh, il a sa réputation. Il ne va pas faire, ah, t'es mon pote, je veux dire... Attends, le gars. Tout à fait. Euh, bon. Et il, il, a, il a parlé de moi. Ah, ok, d'accord. Et euh, ben ai, on aimerait vraiment que vous veniez euh, au Colorado. En ah, présentiel. Je fais Ok. Euh, en présentiel. Oui, parce que Zoom, bon, euh, c'est bien, mais bon, vous êtes en France. Euh, parce qu'en France, ça aurait été plus compliqué, mais on l'aurait fait quand même. Je fais Non, non, je suis au Canada, au Québec. Il me <laughs> dit bah, Pas de problème. Je vous envoie les billets d'avion et, euh... et là, sur le coup, je suis, je suis sous le choc, tu vois. Là, je me dis, attends, c'est quoi ça C'est hallucinant. Puis là, euh, il faut pas tu... que j'en parle. Parce je, me que... Souviens je me souviens de ton excitation. Oui. Tu m'as appelé et tu me dis, tu ne sais pas que tu ne viendras jamais, quoi. Alors, tu ne viendras pas, a, mais tu... <laughs> a, euh, Non, je ne peux, peux pas le deviner, ça. Ça, ça c'est aussi un, un truc qui est sorti de, ouais. de je ne sais où. Mais donc, tu m'as appelé, tu étais excité de tout ça. Et là, et euh... donc, euh, je décide bah, d'accepter. <laughs> donc là, c'est une grande aventure pour moi parce que je m'en vais tout seul aux États-Unis et je m'en vais juste euh, trois jours. Alors, euh, je me dis, bon, c'est quand même plusieurs heures d'avion, euh, attendre, etc., pour passer 45 minutes, quoi. Mais je me dis, c'est la chance de ma vie de pouvoir m'exprimer comme ça dans une grande chaîne euh, qui est mondialement connue, dans laquelle il y a plusieurs millions de personnes qui regardent et qui... Parce que Gaïa, c'est le Netflix du paranormal, quoi. C'est pas n'importe ouais. quoi ah non, ah non non c'est ça euh... c'est le... un résumé c'est exactement ça c'est le Netflix. et, 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 et euh... là je me rends compte et là je me rends compte que je suis le seul français en fait euh, à passer aux États-Unis pour parler de mes expériences de programmes spatiaux et de trucs paranormaux il n'y en a pas et Donc... félicitations aussi pour ton progrès en anglais tu as fait des progrès ouais. en quatre ans c'est ben, incroyable oui oui assez que Google Translate euh, automatique est capable de dire à 85% euh, si c'est correct ce que je dis, puisque mes parents, euh, à 82 ans, euh, tous les deux ne parlent pas un mot d'anglais. Donc, euh, quand ils suivent un petit peu les épopées euh, de leur fils, eh bien, ils ne regardent que les sous-titres. Alors, si jamais euh, je m'exprimais mal, comme bien certains le disent, euh, tu parles mal anglais, euh, bah, vous repasserez, parce que sinon, mes parents ne comprendraient pas. Déjà, il y un petit placement de. <laughs> c'est ça. Il y en a même. Alors, c'est là, les collecteurs, il y en a même qui disent. Mmh. Oui. Que... que tu fais exprès de parler anglais avec un accent français, <laughs> parce que euh, tu fais partie de, de quelque chose... Euh, Je suis un agent spécial. Un agent spécial, donc tu fais exprès de prendre un accent français. Ouais, ça, c'est hier, euh, ça. Hier, ça, c'est le... Comme nos anciens présidents euh, français. C'est ça. Et euh, voilà, pour te donner un genre, en gros. C'est ça, ouais, pour me donner un genre. Toi. Bon, ouais. Ou alors, je me, donne un, je me donne un genre parce que je parle anglais alors que je suis français. Mais parce que si jamais je suis au Japon ou en Australie et qu'ils ne parlent pas français, tu être je, je obligé de parler anglais pour, pour m'adapter. C'est un peu la langue internationale où tu es pratiquement le passage obligé si tu veux être connu un peu plus dans le monde entier. Pour, pour exactement. Ton histoire. Donc, Gaïa et je, donc, je, je... Est à quel endroit exactement À Denver, dans le Colorado. Et laquelle quelle ville euh, Boulder. Voilà. Et une fois que ça a raccroché, se passe une semaine. Oui. Et là, dans ton remis, dans ta remise, euh, euh, on va dire de d'aliments. Ah. Ben oui, c'est ça. C'est parce que. Une semaine après, tu m'appelles, tu me dis. Regarde et je viens, que Je viens de trouver et dans, et dans un placard. La Ouais. j'ai ouais. trouvé dans un placard euh, des aliments déshydratés que j'avais achetés comme des aliments de chasse là quand tu de survie on va dire parce que à un moment donné euh, euh, à un moment donné pendant euh, trois ans de noirceur euh, on a été obligé de, de rester chez soi donc il fallait se débrouiller donc euh, tout le monde était en panique les hein, gens faisaient des réserves de nourriture et j'avais acheté à côté de chez moi euh, dans un magasin qui s'appelle euh, 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 pas ferme mais euh, sale c'est un magasin de plein air, de chasse et pêche, etc. J'avais oui. acheté euh, de la bouffe déshydratée. Jusque-là, euh, tout va bien. Ça. Tout va bien. Et quand je suis tombé sur le, le sachet, je vois des montagnes dessus marquées Colorado. Waouh! Déjà, euh, tu te dis, hein! Et je vois marqué Fabriqué à Boulder, B-O-U-L-D-E-R, la ville dans laquelle ouais. Egaïa. Et où je vais. C'est ça. Mais comme s'il y avait que... un indicateur qui te disait tu vas aller là. Mais c'est surtout que tu le retrouves. Oui. Parce que tu vas euh, vraiment par juste, hasard, tu juste... retrouves ce sachet là. Oui, juste après. Là, temps là, après. après, que temps après. Tu c inc... Donc ça, c'est comme. Euh... Une balise. Une balise. Il ouais, y en a plein des balises dans ma vie. Bon. bon J'espère qu'on arrivait... qu va avoir assez de temps parce qu'il y a tellement de choses qui me, qui me viennent Mais en tête. Oui. Alors, donc, euh, ils m'envoient les billets d'avion, ils me disent que je vais être. Il euh, y a tout un, tout un programme, tu vois, euh, euh, maquilleur, coiffeur. Euh, je suis placé dans un hôtel magnifique euh, qui, entre parenthèses, est en dehors de la ville parce que euh, toutes les, il y a des matchs de, foot, euh, de football. Euh, donc, euh, on met euh, à Westminster, plus loin de la ville, à peu près à 25 minutes de la ville. Et curieusement, le prochain Jessica. Contre toute attente, qui était en Floride plusieurs fois. Et sans qu'elle le sache, parce que j'avais signé des papiers de confidentialité, donc je ne pouvais pas en parler à personne, le même hôtel dans lequel nous allons pour le Jessic 3 avec Danny Anderson et toute la clique. Alors, il aurait pu être euh, ailleurs. Le, le Colorado avait été choisi secrètement. Il n'y avait aucune promotion, et elle ne nous avait même pas parlé. Et quand elle m'a dit Je suis euh, dans tel hôtel pour réserver les salles, et là, je lui envoie les photos des salles dans lesquelles je suis allé me promener. Elle était sous le choc. Elle disait, Mais voyons donc, c'est pas possible. Et si C'était le même hôtel. Pas un qui ressemble, le même, même adresse. Ouais, ça, ouais. c'est encore une balise. C'est pour bien te faire comprendre que tu es au bon endroit, au bon moment. Donc, j'arrive à l'aéroport. Alors, avant de prendre l'avion, la, je suis à l'aéroport de, de, de Montréal. Je suis dans la salle d'attente. Et tu je suis quand même tout. Euh, quand on dirait tout énervé, tout excité, euh, je me dis je vis un truc, je suis tout seul. Mélanie pas avec moi parce que il euh, y a que moi qui pars. Je pars trois jours et puis elle a le travail et les enfants et tout ça. Donc ouais, ouais, c'est juste c vraiment pour euh, cibler, ces professionnels. pour. Et là je me m'adresse à l'univers et, et je me dis merci mon Dieu, merci à toutes les forces autour de moi de de, de m'accompagner dans cette aventure incroyable et je peux pas en parler donc c'est quand même frustrant hein, à part avec toi. De dire que je m'en vais à Gaïa et que dans une coupe de mois, peut-être dans six mois, va être diffusée l'émission. Donc il faut que je, je me taise, tu vois. Et juste en face de moi, il y a un panneau. Alors les gens vont dire, ouais, mais c'est un panneau. Mais à ce moment-là, il faut comprendre la signification où il y a marqué euh, Air Canada, etc. Et il y a marqué Star Alliance, juste en face de moi. Je ne peux pas le louper. Et là, ouais. je me dis, rien, c'est quand même bizarre. Hein. L'Alliance des étoiles. Star Seed, étoiles, tout est mis sur mon chemin pour me faire comprendre. C'est vraiment génial. J'arrive à l'hôtel, on m'appelle, etc. Tout va bien, la chambre, là, tout est beau, la suite et tout ça. Bon, bah c'est parti. Je suis euh, à l'hôtel euh, à, à côté de Boulder, où j'ai été invité pour euh, mon émission euh, avec Gaïa. C'est la surprise. Je m'y attendais pas du tout. <laughs> Donc là, je suis dans mon hôtel. C'est magnifique. Il y a des petits parasols, on peut s'asseoir. Bon. Allez. Allons nous promener dans le Colorado. Westminster Hotel. Et le lendemain, une voiture sont... vient me chercher. Et, euh, et nous partons chez Gaïa. Arrivé chez Gaïa, je suis accueilli vraiment. C'est des gens extraordinaires et tout ça coiffeuses, maquilleuse. Et là, je rencontre le grand Georges Nouri. Alors, euh, égal à lui-même, euh, voir Georges Nouri, je sais pas, je pas d'explication, tu vois, c'est fou. Donc, on se serre la main, il a ses questions, et je m'assois sur le siège. Et derrière moi, derrière nous, il y a un écran géant, c'est énorme, sur lequel est diffusé les passages de vidéos qu'ils ont choisis de mon documentaire Révélation Star 2, dans lequel j'amène l'épreuve avec mes parents et puis euh, Dan Winter, qui parle de maison de Cérébrales. Exactement. Et là, c'est un grand moment, parce que tu t'imagines que là, je suis en face de Georges Nourry, les caméras sont sur toi, tu es sur un plateau. Là. Et tu vois ton père et ta mère, derrière toi, immenses, qui parlent de leur fils. Rien que là, là ta vie s'arrête. <laughs> c'est comme si étaient avec toi. Exactement. Déjà et d'une. Déjà. Et, et, et je me dis, est-ce que vous vous rendez compte où je suis, là Est-ce que... Est Toujours dans le, dans, dans le côté humble, hein, parce que la oui. prétention, etc., c'est facile à dire. Mais déjà, fais ça en non, tant non, que, France, une réussite. En, en tant une que réussite. Français. Ouais, c'est une réussite personnelle, il faut le dire. C'est voilà. une réussite personnelle. Et quand tu vis quelque chose, tu meurs d'envie. Quand tu vis quelque chose de bien pour toi, tu meurs d'envie de le partager avec les autres en général, en tout cas les gens que tu aimes. Voilà. Et, et, petite, et... Par... petite parenthèse quand même, quand je dis ça, non seulement je me dis où je suis, mais euh, un, un an avant, auparavant... Euh, J'étais euh, sur scène euh, en Floride, à Orlando, oui. pour la première fois de ma vie devant mille personnes. Je racontais ma vie, euh, pas à la caméra, là, en face de mille personnes que je connais pas, en anglais, qui n'est pas ma langue maternelle, naturelle, maternelle, exactement, en expliquant et en traduisant simultanément dans ma tête du mieux que je pouvais pour la première fois, au lieu de parler. À la France, en premier, j'ai trouvé ça euh, dommage. J'ai parlé en américain devant un public qui était debout et qui me disait qu'il m'aimait et qui m'applaudissait. Euh, standing ovation. Forcément, euh, euh, c'est pas seulement moi, mais je veux dire ça rentre dedans. Je veux dire, au niveau, euh, au niveau émotionnel, au hein, niveau émotion. Bien sûr. Mais voilà, exactement. exactement. Donc, donc là, j'avais déjà pris cette charge émotionnelle énorme et c'est mon baptême. Le baptême du feu que j'ai fait quand j'étais là-bas. Et j'étais très fier parce que quand j'étais sur, sur scène, je pensais à mon père et ma mère, je pensais à mon grand-père, je pensais à, à, à tous les gens aussi qui m'avaient euh, blasté, craché dessus, tiré des flèches, et je me disais. T'sais... Sorry, I'm uh, very emotional. Oh, and the best. Best witness is my parents <laughs> because they live together again, 80, and they decide to tell everything they live with me. So it's a gift. All is corroborated. And she tell me, you must tell everything. And if she wasn't here, I wasn't here too. Because uh, she's a, uh, what's uh, the phrase, it's uh, behind a behind a big man there is a, a big woman. And <laughs> Thank you very much. <laughs> and today, it's, I'm very glad and honored because I represent uh, two countries, the Canada, Quebec, yeah. and the France, the French, too. And I am with the extraordinary people, the speaker, My friend Michael, we have a lot of connection. Oui, on fait les choses pour soi-même, mais quand tu accomplis quelque chose, que t'aimes ou pas la personne, tu dois reconnaître une chose en disant, bah quand même, félicitations, je veux dire, ok, là, t'es es rendu, là, tu sais. Et là, je me suis dit, ok, il n'y a plus rien qui peut arriver de plus gros que ça. Erreur. Gaïa arrive et là quand je me suis retrouvé en face de Georges Nouri je me suis dit mais Georges Nouri c'est Georges c'est cause to cost quand tu tapes Georges Nouri sur internet première chose qui sort c'est cause to cost et on sait qu'il y a oui. beaucoup de gens qui estiment beaucoup Georges Nouri dans le monde euh, même les gens les plus réfractaires, les plus sceptiques disent oh, attends, attends. Georges Nouri attends tu passes à l'émission de Georges Nouri euh, t'as le Saint Graal et t'es euh, validé hein, parce qu'ils n'invitent pas euh, des gens qui sont pas importants ça on le sait et... Et il se trouve que c'est ton cas. Et il se trouve que c'est mon cas. Alors évidemment, comme je dis toujours, parce que j'en ai marre de me justifier en disant oh, l'autre, son ego, euh... mais à un moment donné, là, il faut arrêter. Quand t'es pas bon, on dit que t'es une merde. Quand t'es bon, on dit que t'es prétentieux. Il faudrait savoir. Il y, y a un juste milieu. Là, je suis zéro prétentieux. C'est pas parce que je me suis donné le mal de faire des films moi-même, voilà. de les jouer, de les monter, d'avoir les... les, les, les le courage de m'afficher avec mon vrai visage, mon vrai mon prénom, vrai nom. mon vrai exact. nom, en impliquant des gens de ma famille qui ont témoigné. Et quand je dis témoigner, ce n'est pas des gens qui répètent que oui, je me rappelle qu'un tel ou mon fils m'a dit ça. C'est pas ça. Ils ont vécu quelque chose avec moi et ils racontent ce qu'ils ont vécu. Ils racontent pas ce que je leur ai raconté. C'est complètement différent. Si tu dis à un gars, ah ben moi, je connais quelqu'un qui a vu un ours. Ah ben bah, il me l'a dit. Et l'autre il dit, bah j'étais avec lui quand on a vu l'ours. C'est pas la même chose. Pas du tout. Pas du tout. Non, on n'est bah pas non, dans est... le même. Exactement. C'est du témoin. Du témoin Alors, oculaire. Do donc, je reviens à, à Georges Noury. Donc, euh, il m'interview, etc. Alors, il faut quand même savoir que Georges Noury, il a fait des centaines et des centaines d'entrevues avec des gens de calibre international. OK Il a reçu tout le monde. Tout le monde. Et il m'a dit qu'il avait... Déjà, quand j'ai commencé, il m'a dit qu'il avait un petit peu étudié mon cas et que, euh, s'il te plaît, Jean-Charles, ne fais pas euh, sauter euh, mon studio. Ouais, je vous souhaite. Je vous l'avais dit. <laughs> à cause des lumières, oui. Alors, je lui dis, bah, je vais essayer parce que je suis quand même stressé. Il dit, bah, euh, calme-toi. Et, et, et donc, euh, là, il décide de, de, de commencer l'entrevue. Et durant l'entrevue, il me dit, j'ai jamais vu un truc pareil parce que... Tu as des témoins oculaires qui sont tes propres parents. Et il n'y a aucun divulgateur qui parle de son père et de sa mère et qui viennent témoigner et qui sont encore vivants ensemble à 82 ans et qui parlent à visage découvert. Ensuite, on a Dan Winter, qui est un très grand spécialiste, c'est le plus grand spécialiste du, du cerveau au niveau des ondes cérébrales et qui a testé tes ondes gamma et qui a découvert que tes ondes explosaient littéralement et sortaient de la graduation. Et il y a eu un documentaire qui a été fait qui s'appelle Les Superhumains euh, de Caroline Cory. Sur lequel elle a testé le même appareil avec le même logiciel sur les ondes cérébrales des enfants. Et quand ils étaient télékinésiques ou télépathiques ou qu'ils faisaient des choses extraordinaires, ils avaient ces pics alpha, les mêmes que les miens, sauf beaucoup plus bas que les miens. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est important. C'est lui avec ses recherches. C'est ça, parce que c'est le même scientifique aussi. Exactement. C'est le même appareil, non. mais c'est le même scientifique qui a fait et les mêmes recherches sur ces enfants-là. Exactement. D'ailleurs, il y a un reportage sur son site internet dans lequel et, et, il voit les, on voit les enfants qui ont les yeux complètement euh, bandés et qui sont capables de lire des livres avec leurs doigts alors que ce n'est pas du braille. We are here in Sertogenden in the Netherlands visiting Iris Huizing, guiding children in discovering the amazing ability to perceive and directly see their surroundings and more without using their physical eyes. They do this while wearing a mask that completely shuts off any incoming light, really seeing without their eyes. We call this ability direct vision or outer vision. Notice how she can choose the blocks with the right color from the pile of blocks which we mixed around on the carpet. She is She's slightly tilting her head as this helps her with the outer vision. Yeah, well done. And the next color is orange. Okay. Wow. You're amazing! <laughs> we play another game where we name the numbers and different colors of a deck of Uno cards. And then we'll do it very fast. Yeah. Okay. Blue. All the colors. Yeah. Red, yellow, red, blue, red, blue, blue, yellow, blue, yellow, red, red. She's also able to read the sentences of a book. Once there was a unicorn. He was white, like the moon. His horn was magic. My wings are the. Et d'ailleurs Dan Winter, oui. Quand a commencé à être public, oui. Enfin, euh, commence à être public, oui. Très récemment. On va revenir euh, à ça. On reviendra. Euh, donc, Dan, Dan Winter, c'est lui qui a été fasciné par ton histoire. Oui. Bah, et... indi indirectement, c'est indirectement, euh, euh, Elena euh, Danahan, euh, ma grande amie, qui m'a dit... Tu oui, encore devrais... ouais, salut. Bah oui, salut ouais. Elena. Salut Elena, si tu nous regardes. <laughs> eh, bien, euh... <laughs> eh bien, elle m'a dit, tu devrais contacter Dan euh, Winter. C'est un grand scientifique. Je dis, ah, ok, d'accord. Je lui ai envoyé un message okay. et là, il m'a dit... Ah tu serais vraiment euh, intéressé euh, pour faire euh, mon rat de laboratoire à tatouille ah, J'ai dit bah oui, euh, j'ai dit euh, pourquoi pas. Alors déjà là tu vois la démarche déjà du gars euh, quand les gens disent ouais, ouais n'importe quoi. Mais quelle personne qui raconte des conneries va se mettre en avant et en danger en disant bah vas-y teste-moi, analyse-moi si. Analyse personne. Il y en a qui refusent déjà le détecteur euh, de mensonges. Bien Vançon, sûr. Personne, hein. se, personne se mettra ah. en danger pour. Mais moi j'ai aucun problème. Tu veux me tester plein de trucs. C'est si, tenté que des limites ça serait, pour... <laughs> si, que ce serait que pour le business, tu comprends et, et comme j'ai vu que c'était une personne qui était vraiment très gentille et qui m'a abordé avec vraiment beaucoup de délicatesse, j'ai dit pourquoi pas. J'aurais pas fait ça dans un laboratoire euh, plugé dans tous les sens, euh, je n'ai pas, pas envie. Ah Mais ouais. là, je me suis dit, OK, euh, euh, ouais, cool, ça va faire euh, une preuve de plus et tout ça. Puis moi, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il allait découvrir. Mais pas du tout. Pas du tout. Et là, il m'a demandé de mettre l'appareil sur ma tête et d'essayer de me remettre dans le même état que quand j'étais jeune et que je m'étais téléporté. Et à ce moment-là, eh bien, il ne s'est rien passé de. On peut voir, mais dans mon cerveau, il s'est passé quelque chose. Ouais. Et ça a été enregistré sur le mini sismographe euh, qu'il avait. Et euh, pour ne pas justement euh, avoir un doute sur. Bien qu'il ait confiance en moi. Il m'a dit tu vas aller dans le logiciel dans un endroit qui est une porte dérobée qui a été fait par le programmeur, le programmeur euh, Patrick Bott, qui est que je salue d'ailleurs, euh, qui On est un, un très grand programmeur. Il y a un programme dans lequel euh, il y a une ligne de commande. Tu vas me l'envoyer. Ça nous donne accès à pour vérifier euh, d'autres choses. En même temps, c'était pour vérifier s'il n'y avait pas euh, truqué le signal, ouais, ou, truqué le signal et tout ça. Ouais, ouais, c'est normal parce que là, euh, c'est quelque chose qui a que qui a que qu'on qu accède. Exactement. Donc là, il, il m'explique que c'est une, une, une double vérification qu'on fait. Euh, c est, c est, même si ce n'est pas parce qu'on ne croit pas ce que tu dis, mais c'est parce que juste ce qu'on voit de ce que tu as enregistré, c'est parce qu'on ne l'a jamais vu de notre vie. Donc euh, on veut être sûr qu'on tient quelque chose. Oui, et puis la confiance n'exclut pas le contrôle. Exactement. Donc là, qu'est-ce qu'il fait Il analyse. Et là, il me revient, il fait il faut qu'on se parle très vite. Je dis qu'est-ce qui se passe Et, là, et ben, là, il me balance tout en me disant. Euh, on a dû réduire le graphique. Euh, les ondes, elles explosent dans tous les sens. Les pulsations cardiaques ont accéléré alors que tu ne bouges pas. De la Kundalini euh, est montée euh, violemment. Euh, il s'est passé quelque chose. Et dans ton hémisphère, on voit bien l'endroit où ça se déplace et c'est l'endroit qui est censé abriter les capacités extrasensorielles, etc. Elles sont. Exact. Anormalement élevé, il dit j'ai testé ça sur des gens, sur des enfants, sur des moines, sur des j'ai fait des j'ai fait 52 ou 53 pays dans le monde, euh, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et là d'ailleurs il en a fait un exposé et à chaque fois qu'il s'en va à un exposé quelque part ou qu'il fait une conférence, il parle toujours oui j'ai un exemple concret Jean Charles parce que pas parce que Jean Charles encore Jean Charles parce qu'il a jamais vu ça n'en déplaise à certaines personnes vous voulez des preuves oui, c'est ça il y a quelque chose il, voilà, on peut pas scientifique. dire voilà il y a rien de machin si il y a quelque chose tu peux pas avoir des ondes cérébrales qui sont normales et au moment où tu essayes quelque chose que ça monte tellement haut que ça dépasse la graduation et que c'est les mêmes au même endroit c'est les mêmes ondes que les enfants qui ont des facultés mais que le pic le là vrai. il est là donc c'est pas à côté ou similaire c'est ça démarre au, dans le même range le même champ Ouais. et après ça explose donc ça quand j'ai dit ça à, à Georges nourri et qu'il a dit oh, bah oui on connaît les travaux puisque on a déjà vu le, euh, puisque Gaïa est associé avec Caroline Cory par je crois hein, par rapport parce que le, le documentaire super humain passe sur Gaïa donc forcément il y a une association oui, ils savent très bien de quoi je parle donc il était subjugué et euh, à la fin de la de la de la de l'entrevue qu'on a faite on a moi je m'en allais puis euh, oh, une photo et tout ça bon on a fait une photo, toi, même mmh. moi, tu, je ne pensais même pas prendre une photo avec Georges Nouri. <laughs> Tellement, j'étais euh, sur mon nuage en me disant, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Oui, plutôt là... pas. Parce que quelqu'un qui a, qui a une photo... Bah non, non, je ne suis pas le genre, oui, non, euh, été, tu te dis, bah, je veux une ouais, photo. Bah, non. Pas, ouais. Donc, je me suis dit, pour moi, je garde ça comme un beau souvenir dans ma tête. J'ai rencontré mmh. le grand Georges Nouri, je n'avais pas besoin de photo, tu vois, bon, tu me crois, tu ne me crois pas, j'en ai rien à foutre. Je dire, à un moment donné, ça va, je suis là, je suis là. Et je savais que dans quelques mois, l'émission... Euh, Serait, euh, serait diffusé, tu vois. Tout à fait. Et là, on prend une photo. Et tout le monde est témoin. Hein. Les, les caméramans sont là et tout ça. Prends la photo. Je... Tac. Okay. Et là, je vois qu'il fait ça. Et là, je... qu'est-ce qui se passe Il me redonne mon téléphone, je regarde. Et autour de ma tête, juste la mienne, il y a un croissant de lumière blanc. Ma fameuse aura que, que j'avais que j'avais faite euh, quand on était euh, au salon euh, de la voyance en France, il y a une trentaine d'années, où j'avais fait tout sauter, euh, le salon s'était éteint, et, et puis... Euh, bon On, on reviendra là-dessus aussi après. Voilà. Donc là, euh, alors là, euh, Georges Nourry euh, <laughs> il m'a regardé en me disant, OK, waouh Et je suis parti. Et j'ai attendu patiemment plusieurs mois, jusqu'au moment où c'est sorti. C'est ça. Alors, j ai, j ai, je suis très très content, euh, de, de, très fier aussi, euh, comme tu dis, de mon parcours, mais surtout faut... d'être passé à Gaillard. Il faut. Et moi, je veux que tu racontes. Tu m'as. J'ai été témoin de quelque mm. chose, et je veux raconter ton retour à l'aéroport à Denver. Pourquoi Parce que ça coïncide à ce qu'on vient de parler précédemment avec. Ton trauma crânien est à mort de 9 minutes. Alors, pour moi, c'est indéniable. C'est une preuve indéniable, ça aussi. Quand je suis passé euh, au scanner Eh oui, le scanner alors, de l'aéroport. Alors, je, je passe au scanner de l'aéroport de, de Denver pour revenir euh, sur, sur Montréal. Et au moment où je passe, euh, ça sonne. Donc, euh, j'avais retiré tout ce qui était métallique dans mes poches, mes clés, tout, 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 tout. tout j'avais rien. Et. Euh, il y a une personne qui est à l'ordinateur et euh, c'est une espèce de machine rotative, un scanner 3D, tu as ouais. les bras en croix et puis ça fait... Tu mets les mains comme ça, voilà, tu tu mets exactement les mains comme ça, et tu as une machine qui tourne autour de toi. C'est ça. Et, et là, et là, tu vois vraiment à travers la personne, c'est vraiment impressionnant. Et là, la douanière qui est là, c'est là l'américaine, a fait ça au gars. Et le gars regarde, tu sais, euh, il me dit, euh, monsieur, est-ce que vous avez déjà été opéré de, euh, du cerveau ou de la tête. Je fais non. Donc là, au début, il est gentil. Là, il me redemande de passer le test. Ça, ça sonne toujours. La personne qui était en train de regarder son ordinateur dit... Là, il commence à être un, un petit peu plus virulent. Avez-vous, dernière fois, été opéré de la tête Je fais non. Et là, il a la main... Enfin C'est bizarre parce que, tu sais, des fois, quand il part à s'énerver, euh, il a la main sur le, sur le flingue. Là, il commence à appeler... Euh... D'autres personnes. Puis là, il me demande de tourner, de regarder. Il me regarde et je dis peut-être que c'est mes dents, je sais pas, euh, plombage ou je sais pas n'importe quoi. Je n'ai pas de lunettes, j'ai pas d'écouteurs, j'ai rien. Il dit non. Avez-vous été opéré Et là, je sens que le ton monte. Je dis écoutez, non, je n'ai pas été opéré. Et là, l'autre a continué à faire comme ça, là, là, ici. Et là, je me retourne et je vois la découpe de, 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 de mon bonhomme. C'est tu sais, qu'en image de synthèse. Oui, oui, oui. Et là, je vois un point rouge. Mais pour vrai, je vois un point rouge. Ouais. Qui, 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 qui pulse, quoi, comme s'il y a quelque chose là. Ouais. Voyant qu'à un moment donné, il euh, y a du monde qui attend et tout ça, il me dit euh, c'est bon. Donc je passe, je prends mes affaires. Un peu euh, surpris en même temps, je me dis Tiens, je comprends pas, pourtant, euh, je pensais que c'était plus là. Oui, puis un peu, un peu aussi. Euh, bah stressé, quoi, inquiet. je veux dire. Ah oui, stressé, euh, et oui. Moi, bon, j'ai rien à me reprocher. Oui. Euh, j'ai aux États-Unis, euh, j'adore les États-Unis. Euh, puis là, je suis De là, euh, je me fais comme... Euh, tu sais, ça m'a ça un peu choqué. Je n'étais pas rassuré. Et puis, en même temps, je me disais, bon, bah, je suis quand même à Denver, quand même. Euh, Denver, c'est la base... Euh, la Faites base, vos recherches. Soi-disant. Soit euh, Faites vos recherches sur ce qu'il y a à Denver et ce qu'il y a devant Denver aussi. Et en dessous. Et donc, dessous. Et, 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 <laughs> <en> et là, <laughs> il y a des fondations. Et donc, voilà. euh, bah, je, je m'en vais, je prends, je prends mes affaires. Puis je marche, puis j'ai l'impression qu'on me suit. tu sais, après là, est... tu deviens Ouais, il est parano et tout. C'est ça. Et pour te rassurer, tu me fais un visio avec moi. Tu m'appelles. Ben oui, donc euh, je tu... m'assois pour manger un... un sandwich. Mais juste avant, je, je vois deux euh, policiers de l'aéroport qui me suivent. Je vois vraiment qu'ils me suivent, parce que euh, bon, je suis quand même garde du corps à la base. <laughs> donc je quand ouais, même ouais, des. Tu... Puis tu les, sens, tu quand... sens oui, oui, oui Donc je vois bien que les gars ils sont là, euh, ils marchent, puis ils se parlent, puis ils me regardent, puis... Ok, et ils me suivent pendant un, un, un bout de temps. J'arrive euh, dans un petit, une petite cafétéria dans l'aéroport, je mange un sandwich, et puis j'entends euh, Toulouloo, toulou, les noms, machin, non, 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 j'entends... Et en genre, plus, j'étais en live, j'étais en, en, oui. en, en visio, et je entendu... Je, je te dis, ah, je, je, je paranoïe euh, Kevin, j'ai l'impression qu'ils ont dit mon nom. Je Mais, crois puis, 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 puis je pense que c'est... bon Là, finalement, j'arrive à, à ma porte d'avion, je m'assois. Là, je te rappelle. Et je te dis, j'ai l'impression que la caméra me regarde et tout. Enfin, bref, tu, tu, tu deviens dans un délire, mon gars. Mais, et là, on entend ouais. Jean-Charles Moyen est demandé à l'accueil en anglais. Et là, je fais Oh non, il m'appelle. Tu étais en direct. C'est ça. Et, je me dis Mais pourquoi je te, tu, me dis, tu me dis Je te rappelle. Et là, ouais. à mon tour, c'était moi qui étais en panique. Ben oui, parce, parce que, que, que je ne te rappelais pas. Parce que je me suis dit Attends, mais alors là, s'il si y a mais un oui. truc. Et, et du coup, ah, tu me rappelles, donc me vois voilà ouais. soulager. Et, et je te dis, ah non, elle m'appelle au comptoir, elle me dit bonjour, votre passeport. Mais genre, on est trois. c'est un hasard, hein, mais bon. Bonjour, euh, bon voyage, monsieur. C'est tout. Donc là, j'ai dit, bon. OK. Mais pourquoi Il y avait quoi qui sonnait Je ne comprends pas. Et, 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 et je ne et comprends toujours pas. Voilà. bah oui. Donc, est-ce que c'est. Bah, à cause de l'accident, ils m'ont mis quelque chose. Ta fameuse, tu... fameuse poussière. Ouais. Avec la, la radio, donc ton implant. Oui. Ou alors, S. Mais ça n'a plus jamais fait ça avant. Donc... Ben oui, t as, t as, parce que tu es, es déjà allé en Floride, tu es déjà allé. À... Mais c'est un Mais nouvel il... appareil qu'ils avaient, attention. Mais il n'y a qu'à Denver. Ouais. à Denver, ils ont vrai un vrai nouvel vrai. appareil. Il y avait voilà. Dallas et Denver, où ils ont vraiment un, un nouvel appareil. Là, quand je l'ai vu, il était différent. Parce que quand je l'ai vu, on a vraiment dit, euh, on voyait quasiment presque le système ouais. veineux. C'était depuis, depuis les attentats, ils ont essayé de créer un truc. Euh, comme bah, ils ça. ont raison, ils ont raison. Ça, ça, ça laisse... et il y en a à New York, parce que j'étais passé dedans. Ouais. Et comme tu dis, il y en a dans les grosses, grosses villes à risque. Exactement. Donc, euh, et donc voilà, je, je tenais quand même que tu le précises parce que tu ne l'as ouais. jamais raconté nulle part. Non, ça. non. Et pour moi, ça, c'est encore significatif par rapport à ce qui s'est passé dans ta tête. Exactement. Ou ce que tu as d'origine dans ta tête depuis les implants. Ouais, ouais. ouais parce qu'à l'époque, euh, quand j'avais eu ma, ma radiographie, quand j'avais eu mon installation, quand j'avais 13 ans, et que ma mère a reçu la facture mais pas la radio, et quand elle a appelé, ils ont dit on l'a perdu, <laughs> on a perdu la radio de votre fils. <laughs> c'est ça. J'ai eu d'autres radio. ouais, radios après, il n'y a jamais rien eu. D'ailleurs, euh, parenthèse, sur la radio qui a été faite euh, durant ma mort de 9 minutes, il n'y a rien sur la radio. Je l'ai là, puis il n'y a rien. On ne voit pas d'implant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre temps Donc, on a présenté un peu Dan Willis, ancien euh, US Navy, oui. dans la télécommunication, mm -hmm. qui a participé, comme on a dit, au disclosure. Euh... Euh, le premier disclosure euh, à Washington DC euh, en 2001. Ouais. Et il a fait un classement. Il tient un historique et un historien de l'ufologie, notamment des programmes spatiaux secrets. Et très précis, attention, hein, c'est pas un truc qu'il a oui, fait. Oui, euh, oui on mettra euh... le lien et les gens, ils iront voir. La langue oh, française Oui. oui. Et disponible. est disponible. maintenant, est disponible. Il l'a fait euh, pour justement. Euh, pour nous. Parce aussi, que. Grâce euh, à toi. Oui. Voilà, oui, oui, exact. Oui, oui. Pour. Euh, voilà, il y a. Anglais, français, espagnol. Exactement. Suite à la cassette que tu as retrouvée. Oui, parce que, donc voilà, donc euh, on revient à nos premiers trucs. Oui. Je, dans ce sac, je trouve euh, deux cassettes euh, sur lesquelles il y a marqué euh, Tour Eiffel 95-2 euh, avec la date en 92, Jimmy Dieu. Mais il y a du moisi dessus. Donc, euh, Et une autre cassette marquée Mémoire Jean-Charles. Mais là, je ne sais pas ce qu'il y a dessus. Et là, il faut que je trouve un métophone parce que mon gars, on est en 2024, un métophone à bande, j'ai pas ça, puis le voltage est différent ici. Euh, donc je me mets en recherche de ça, je réussis à en trouver un bien sûr, vintage et j'écoute la cassette. Et là parce qu'avec l'accident que j'avais eu, je me souvenais plus que j'avais enregistré cette cassette. Quand j'étais jeune, j'écrivais un journal de bord, tellement j'étais en danger que j'avais décidé de doubler par sécurité par écrit et en enregistrant vocalement avec le magnétophone de mon père au cas où il m'arrive quelque chose. Tout à fait. Donc je lisais en fait mes écrits sur une bande en disant si la bande disparaît, j'ai mes écrits et inversement. Puis après, j'ai fait ma vie, j'ai déménagé au Canada dans plusieurs endroits, maisons, appartements, etc. etc. Donc euh, ça s'est transporté de carton en carton et j'ai même retrouvé des dessins de moi quand j'étais à la maternelle que mes parents avaient gardé. Et donc c'est des souvenirs qui sont quand même assez importants. Mais je ne savais des, plus ce qu'il y avait dessus. Des cartes de sport et tout ça aussi. Oui, 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 bien sûr. Ouais. Des licences de sport. Oui, des licences de sport, d'arts martiaux, etc. Donc exact. Euh, le truc, c'est que quand j'ai retrouvé cette bande-là, je savais ce qu'il y avait sur celle où il y avait marqué Jimmy, parce que je me souvenais que j'avais enregistré ça à la radio. Et je me suis dit, waouh! Wow! Je n'ai pas regardé la chronologie des divulgateurs, etc. T'sais, pour moi, bon, c'est 2000 et quelques, 2014, 2015, ces trucs-là. Et là, quand j'écoute la cassette, alors avant d'écouter la cassette de Jimmy Gueux, j'écoute la première cassette dans laquelle j'ai 18-19 ans et je raconte ce que je vis au quotidien depuis ma naissance et depuis mon enfance et une partie de mon adolescence et de l'âge adulte. J'explique qui je suis. Et je la date en expliquant quelle date nous sommes. J'explique les problèmes que j'ai avec les hommes noirs. J'explique qui je suis, ce que je possède comme capacité à ce moment-là, l'histoire de la téléportation dans les toilettes, tout ce que je dis depuis des années, des années. Récemment, pour certains, ne l'est pas si récemment que ça. Et là, je me dis combien de chances parce que j'étais en train d'écrire de, de, mon livre dans lequel j'ai de la misère à écrire, parce que je ne suis pas doué en écrivain. Et j'ai dit au, au, au ciel, j'ai dit, euh, faites-moi un signe, parce que là, euh, je ne sais pas comment... Je ne suis pas un écrivain, je ne sais pas comment euh, écrire ou mettre en page euh, mon histoire. Ce n'est pas pareil que de, de parler comme je parle là, tu sais, avec un débit, etc. Oui. C est, c est... Et là, euh, bon, bah, je fais une pause, alors euh, je range mon sous-sol. Euh... Tu vois, je, 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 je m'aère la tête pour essayer de... De bien me centrer pour pouvoir après travailler correctement. Et je tombe sur ce sac. Et là, je me dis, ça, c'est le signe que le ciel vient de m'envoyer. j'ai demandé un signe, on me donne des cassettes. J'écoute les cassettes, et là, je parle de qui j'étais quand j'étais euh, Luca, avant de venir sur la planète Terre. C'est parce que, que là, je parle de missions spatiales, de programmes spatiaux, de d'esclaves de, qui sont sauvés, et que je suis. Euh, en couple avec une femme qui a la peau bleue. Qui ressemble étrangement à Lyra. C'est ça. Et que j'ai une petite fille qui se nomme euh, Stella. Stella. Et tout ça, pour, pour bien garder ça en tête, hein, ce que je dis, parce que ça, je vais arriver sur autre chose. C'est ça. Tout ça, c'est 36 ans avant tout divulgateur confondu. Le premier divulgateur au monde... D'après les, les recherches hein, de notre ami Dan Willis, c'est Michael Relf. Année 2000. 2000, euh, pour euh, les Chroniques de Mars, je crois. Chronicle of Mars. Après lui, il y a eu James Shrink. Et après lui, en 2014 et 2015, 2014 en même temps, il y a eu Randy Kramer et Corey Good. Ouais, mais en, entre Michael Relf et James Shrink, en 2007. Il y a Gary McKinnon en 2002. Oui, Gary McKinnon, exactement. Donc et... là. Euh, et ça la... aussi, c'est un sacré Gary McKinnon aussi. Alors Oui, c'est important. Il s'est introduit dans les ordinateurs de la NASA et il a découvert des, des, des choses qui, f... qui font penser, et même plus font penser, euh, aux programmes spatiaux euh, secrets euh, qui ont été faits euh, dû euh, à la rétro Engineering euh, sur des vaisseaux extraterrestres. C'est ça, et des officiers voilà. non terrestres, avec une voilà. liste d'officiers non terrestres. Et il avait été condamné à je sais pas combien, 150 ans de prison, et puis des millions de dollars d'amende pour espionnage, ouais. etc. Bon, bref, tout ça pour dire que, comme tu dis, 2000, 2002, 2003, 2014. Mais là, les gens sont restés euh, collés sur euh, Jean-Charles Moyen euh, qui fait ses divulgations en 2022. C'est faux. Parce que là, j'ai la preuve que... J'ai parlé bien avant. Alors, encore une fois, hein, on dit oh, l'autre, machin. Ben non, 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 c'est trop facile. Tu ne peux pas accuser quelqu'un de quelque chose qu'il n'a pas commis et qui, en plus, cette personne-là prouve qu'il est innocent et continue à dire qu'il est coupable. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas faire une chose pareille. Je t'ai dit, tu ne peux pas passer à côté de ça, tu obligé de le ah, diffuser bah parce oui. que ça va mettre fin ah, oui. à tous les ah, dires il a copié sur Corey Good, il a copié fait. sur Randy Kramer, Exactement. etc., etc. Là, ça finit, ça finit le débat. Et, et donc, euh, j'ai eu très peur de ne pas récupérer euh, la bande, puisque, comme vous le savez, la, la première bande vidéo que j'avais retrouvée il y a des années, où je fais de la télékinésie sur un tiroir de, de meubles en merisier massif de chez mes parents, euh, ouais. il y avait euh, de la moisissure dessus. Et quand je suis allé dans un studio à Montréal, euh, le gars m'a dit ouf. Il avait des magnétoscopes euh, multistandards, il a mis la cassette dedans, et à la fin du processus de transfert de la bande sur un DVD, la bande a pété dans le magnétoscope. Et là, je me suis dit, déjà, qu'est-ce que je vais découvrir, tu vois Et donc, quand on entend ma voix, alors c'est comme un retour au le futur où tu voyages dans le temps et tout, d'entendre ta voix, je vais avoir 55 ans cet été, quand on a 18, avec ta voix qui n'a pas d'accent du tout québécois, mais qui est français-parisien, et que voilà. tu entends derrière une ambulance ou une voiture de police tin, 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 qui passe, etc., que tu n'entends que sur la bande si tu mets le casque et que tu entends comme un écho sur la bande, alors là, euh, je te laisse euh, expliquer pourquoi ah, il y a comme un écho sur la bande. Justement, bah déjà, oui, déjà, euh, ça, ça intervient dans ton documentaire, le, donc, le Secret Record Archives Perdues en français, mm -hmm. et c'est pour mm -hmm. le document français, donc quand, si vous voulez écouter en français, c'est les archives perdues, si vous voulez l'écouter en anglais, c'est le Secret Record. Donc, à 45 minutes et 53. Alors, quand tu l'écoutes à la télé, quand tu le regardes à la télé, tu ne l'entends pas, ni tu n'entends pas certains détails. Mais quand tu mets tes écouteurs et tu euh, fais play et tu écoutes à euh, 45 minutes et 53 secondes. Le bruit d'une tellement faible d'une euh, voiture de police qui passe, une sirène de police, le deux tons. Donc déjà, ce deux-tons-là n'est pas présent ni au Québec, ni en Amérique du Nord en général. Et d'ailleurs, très peu de polices en Europe l'ont, ce deux-tons. Ils sont beaucoup plus alignés sur le système américain, comme l'Espagne et tout ça, mais il me semble que bah déjà la France et il me semble que l'Italie a ces genres de tons. Mmh. Ça, c'était la parenthèse. Et on entend, non seulement on n'entend pas que le, 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 le ton de la police, mais on entend aussi un retour, un écho. Mmh. Et, et ce phénomène-là, ça s'appelle le pré-écho, le terme technique. Donc j'ai fait mes recherches et je suis tombé sur un forum. Donc le forum s'appelle forum.cakewalk.com. C'est un site américain. Et là, il y a un pseudo qui s'appelle Guitar Hacker. Qui est de, apparemment euh, euh, un message qu'il a laissé parce qu'il y avait quelqu'un qui se posait la question justement qu'est-ce que c'est ce pré-écho qu'on entend sur les, les, sur les cassettes mmh. Mmh. Et les gars, apparemment, il est quand même très euh, spécialiste et il explique le 12 juillet 2007. Alors, le pré-écho, c'est le magnétisme de la bande enregistrée qui aura pour effet de magnétiser les particules de la bande qui la touchent lorsqu'elle durcit pendant de longues périodes. Donc, je continue. Les vieilles bandes qui restent pendant de longues périodes se dégradent à mesure que le magnétisme interagit avec la couche adjacente au fil du temps. Je continue. C'est perceptible lors de la lecture de vieilles cassettes. Donc, longues, vieilles. Il manque des aigus et deviennent souvent boueux lorsque les particules magnétiques perdent de leur force et leur alignement d'origine. Ça c'est valable pour les cassettes audio musicales, les aigus. Donc, qu'est-ce que ça dit Ça dit que effectivement ta cassette est vétuste et ancienne, donc d'époque. Et j'irai même plus loin. C'est que j'ai fait des recherches sur le site du Canada oh donc le site c'est www.canada.ca l'institut canadien de conservation qui est un site gouvernemental canadien donc comme on recherche quand je suis un enquêteur il faut aller au bout des choses ouais, et même je, si je on suis... est persuadé il faut toujours fermer les portes je suis super étonné de tes recherches je ne savais même pas avant qu'on commence le live voilà donc, il faut fermer toutes les portes. D'accord. Et donc, là, il y a marqué l'évaluation de l'état de la bande. Alors, moi qui n'ai aucune connaissance là-dedans et que mmh. je m'éduque, parce qu'il faut s'éduquer pour savoir euh, qu'est-ce que tu recherches et comment authentifier mmh. une vieille bande. Comment Bien savoir si c'est une vraie bande Parce que, effectivement, ouais. comme, comme je te dis toujours, la confiance n'exclut pas le contrôle. Mmh. Ils disent que, déjà, les, les marques. Il euh, y a des contaminants sur les vieilles bandes en général, <laughs> dont des champignons ou moisissures qui se présentent habituellement sous forme d'extroissance dufteuse, ce qui est présent sur tes, ouais. sur tes cassettes, ou de mmh. fins filaments de couleur variable et il peut présenter aussi des dommages physiques comme euh, des ruptures, des plissements et la courbure et l'étirement de la bande. Mais là, comme toi, c'était comme il y a un écho, c'est que ta bande, elle n'a elle a pas été écoutée, écoutée depuis longtemps. Mmh, Donc mmh. la bande s'est rétractée, la bande magnétique mmh. et a durci. Donc c'est pour ça qu'en même temps, ça l'a un peu endommagé quand on entend mmh. le pré-écho. Et une autre chose qui demande de vérifier, c'est la... le boîtier et les bobines endommagées. Le boîtier que tu m'as envoyé et que j'ai vu, présente des fissures, présente, euh, comme ils disent, il faut examiner le boîtier ou la bobine afin de voir s'ils sont endommagés. Les dommages les plus courants observés sur les boîtiers sont des fissures ou des cassures et les coussinets de protection peuvent être cassés ou manquants. Donc là, ce n'est pas le cas pour les coussinets et ce n'est pas le cas, euh, ils ne sont pas manquants donc mm -hmm. tout est présent mais sauf qu'il y a des moisissures donc c'est mm -hmm. ça aussi qui, qui, qui te faisait peur et aussi troisième partie les dégradations chimiques de la bande on peut détecter la présence d'odeurs acres cireuses comme de vieilles chaussettes mm -hmm. une odeur mm -hmm. de moisie de mouillé est-ce qui est qu y a oui. le cas oui. oui puisque quand tu sens la cassette ah, ouais. ça sent cette odeur là ah, ouais. ça ça pique et quand tu vois cette cassette euh, à la visu, tu vois très bien que ce n'est pas une cassette d'aujourd'hui. La marque de la cassette a cherché la fabrication et elle a été Attra. fabriquée en 88-89. Exactement. Parce que en je t'avais demandé de, de, de faire la recherche là-dessus. Ouais, exactement. Et, euh, et justement, donc là, c'est un site gouvernemental qui mmh. dit comment identifier ce genre de... De, plus de la voix. Et l'étiquette. Plus, plus Attends, ça, j'en je venir après. Plus ouais. l'étiquette qui a jauni avec le temps, qui a mm -hmm. un peu décollé, tout ça. Mm -hmm. Justement, j'ai fait euh, une commande de cassettes de maintenant qu'on peut retrouver mm -hmm. de mm -hmm. assez récente. Quand j'ai déménagé dans la maison, elle m'a laissé un, un espèce de transistor euh, Toshiba. Et justement, je t'ai dit, je vais commander et on fera une vidéo. Mm -hmm. Pour voir et prouver que mm -hmm. la cassette que tu as entre les mains, de ta possession, oui. correspond bien à ce que tu as numérisé comme fichier pour Tout ton fait. documentaire. Tout à fait. Donc, les cassettes, elles sont là. Elles sont mm -hmm. encore sous blister. Je ne les ai pas ouvertes, justement. OK mm -hmm. voilà. Ensuite, la bande. Donc, dessus, on entend ta voix, très jeune. Donc, déjà, il faut se mettre dans, à l'époque, en 88. Dans le contexte, tout ce que tu vis, c'est extraordinaire, donc il faut que tu enregistres, etc., mmh. etc. On sent que tu as peur, tu t'es stressé, et on entend ta voix euh, de jeune adulte. Mmh. Et quand tu parles, tu parles avec, vu que ça fait 20 ans que tu es au Québec, tu parles avec un, un, un accent français, mais des expressions québécoises que tu n'arrives pas à à retirer parce que c'est des expressions qu'on que, qu utilise. Instin instinctif, maintenant. C'est instinctif, ouais. exactement. Mais là, tu parles non seulement un français pour moi, qui est en plus un français d'antan, parce qu'on parle plus ouais. ce français-là. Non, non, non. Et un très bon français, tu as une capacité, comme je t'ai dit, euh, d'élocution euh, innée. Et euh, ton accent qui m'a marqué, c'est ton accent parisien on entend ton accent parisien ah ouais ouais l'accent parisien a un accent euh, qui pourrait peut-être pas parler à quelqu'un d'étranger mmh, mmh. comme un américain ou ouais. comme euh, ou comme un québécois parce ouais. qu'ils n'entendent pas souvent les accents comme en, en France admettons voilà tu français as mais as un marseillais, marseillais, as accent marseillais exactement tu as l'accent marseillais tu as l'accent parisien tu as un accent mmh. même lyonnais mmh, bien et sûr. voilà tu as des accents du sud ouest etc enfin bref a ouais, ouais, ouais. un peu son accent ouais. ou ses expressions et là, donc, on entend ton accent parisien qui s'exprime euh, mmh. très bien et tout, voilà. Et puis, dans la deuxième cassette, Alors là, avec ouais. ton ami Jimmy Gueux, mmh. où tu t'exprimes, justement, sur ce que tu as vécu. Oui, sur, en notamment... faisant très attention à ce que je dis, parce qu'à l'époque, il y a 36 ans, c'est dangereux. Exactement, oh, exactement. Euh, donc, moi, je voudrais que, comme on parle de, de Jimmy Gueux, Hmm. Je voudrais que tu, tu m'expliques euh, ta relation avec lui. Quelle était ta relation entre toi et lui Alors, premièrement, euh, quand je l'ai rencontré... Voilà, rencontré, comment tu l'as rencontré Alors, ça... je l'ai rencontré parce que il faisait une dédicace de livres à un Créteil, au centre Belépine, centre commercial Belépine. Et euh, lorsque je suis arrivé, euh, j'étais très très content de le rencontrer parce que je savais que c'était la personne ressource. Qui allait écouter ce que je vivais d'extraordinaire. Donc, je lui, ai, je lui ai parlé, je lui ai expliqué succinctement ce qui m'arrivait. Il m'a regardé avec des yeux comme ça en me disant Ok, là, euh, fais attention à ce que tu dis, de, de partager ça autour de toi, euh, pas de problème, euh, envoie-moi tout ce que tu as à m'envoyer, euh, écris-moi tout ça à telle adresse, etc., etc. Je lui ai envoyé quelque chose, mais pas grand chose, pour voir. Je n'ai pas eu de réponse. Il ne m'a pas répondu je me suis dit, merde, qu'est-ce qui se passe Comment ça se fait qu'il ne me répond pas, tu vois Puis, le temps a un petit peu passé, et d'un coup, j'ai un ami à moi qui était ingénieur du son, et qui travaillait, à, un ami d'enfance, qui travaillait à, à la station de radio Tour Eiffel 95-2, qui était dans le forum des Halles à l'époque, et qui me dit... Euh, euh, il m'appelait Charlie, d'ailleurs. Le oh, Jean-Charles, petite parenthèse. Charlie euh, vient à la radio... Euh, euh, bah, je dis je peux pas, euh, je, je, je suis à la maison. Il dit bon écoute, on va faire un truc, il y a Jimmy Dieu qui passe, et je peux te faire passer au standard. Il y a plein de gens qui appellent, donc je peux te mettre en attente et puis te, je, te, je, te, je te promets rien, mais bon, je vais essayer de voir avec, euh, avec mon pote euh, Florent si euh, je peux te faire passer. Et là, euh, je suis à la maison, dans mon canapé, euh, chez mes parents et euh, le magnétophone est prêt à enregistrer, pause enregistrement. Et là, Tour Eiffel 95.2, nous recevons Jimmy Gueux aujourd'hui et euh, nous avons un auditeur euh, qui veut nous raconter son expérience. Et là, Jean-Charles, nous t'écoutons. Et là, je passe en direct en novembre 1992 publiquement. Et je lui explique que j'ai vécu euh, la base, euh, les menaces mon Noir. Je fais très attention à ce que je dis. Euh, parce que je oui. sais qu'on est on quand même dans la, dans la banque. Ouais. Donc, euh, mais j'explique que je suis sur écoute, et euh, Jimmy dit aussi, oui, moi aussi, je suis sur écoute. Et le présentateur est complètement euh, subjugué en disant, comment ça, vous êtes sur écoute, euh, vous êtes sûr Il dit, ah bah oui, on en a attrapé un euh, qui nous écoutait, il travaille pour, euh, pour un gouvernement parallèle, je ne sais pas lequel, mais en tout cas, ce sont des gens, des, des gens qui nous surveillent. Et là, Jimmy commence à nous parler des bases militaires différentes euh, en France qui abriteraient, en fait. Euh, des extraterrestres euh, sous terre, euh, donc là c'est quand même très très spécifique. Et il explique qu'il qu a reçu un dossier euh, de John Lear à l'époque qui est encore vivant, donc là c'est quand même une preuve qu'il est encore vivant alors qu'il est mort il y a, il y a pas longtemps. Euh, il explique qu'il a reçu un, un communiqué de presse dans lequel il explique tout ce qui se passe sur la lune, les bases militaires, etc. etc. Et donc Jimmy décide d'envoyer euh, ce document. Important auprès de ses amis ufologues, puisque Jimmy est un très grand ufologue à ce moment-là, en France, euh, oui, est à, tous les orga... à tous les organismes. Il n'est pas seulement écrivain, il est ufologue. Et il connaît bien le mufon. Et là, il dit qu'il n'a pas de réponse. Alors que là, c'est du lourd, quoi. Il dit que euh, les informations sont quand même énormes. Et là, il les appelle, et puis. Euh... Alors, je sais pas les noms exacts, mais je pense savoir un peu qui il appelle. Et ils lui font Non, 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 mais bon, John Lear. Et là. Jimmy dit, mais est-ce que tu as fait une enquête sur John Lear? Est-ce qu'il existe? Est-ce que c'est -ce est une fake news? Est-ce que c'est -ce est -ce est de l'intox? Il dit, non, mais bon, comment, tu n'as pas fait d'enquête? De... Tu as fermé le dossier. Il dit, là, ça m'a tellement euh, emmerdé que j'ai coupé court, j'ai attendu. Après 3-4 mois, j'ai décidé de faire un article pour un, un grand hebdomadaire et il a été refusé automatiquement. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait une chape de plomb, il dit, euh, sur l'ufologie française, ce qui n'a pas changé après 36 exact. ans. Il a dit que c'était un panier de crabes. Et c'est exactement. exactement ça. Et là, pour les, ça. pour les gens qui voudraient dire, ouais, mais qui nous prouvent que la cassette est enregistrée à cette époque-là, eh bien, dedans, euh, à un moment donné, il commence à parler de différents présidents qui sont au courant de la situation dans le monde, euh, puisque les présidents sont au courant de, de contacts extraterrestres, hein, d'après ce qu'il dit. Et euh, le présentateur sort le truc magique et il dit, hein, on voulait dire que tous les présidents sont au courant. Il dit oui, oui. Il dit même notre président actuel, François Mitterrand. Voilà. Et c'est une marque. Voilà, une marque euh... il était, non, non seulement c'est une marque, mais en plus la date à laquelle temporel. il est Exactement. Et moi, quand j'ai été interviewé, je dis, ah ben, si tous les présidents sont au courant, je pense que... Euh, George Bush va mettre au courant le nouveau président qui vient d'être réélu, euh, Bill Clinton. Donc on sait très bien que l'enregistrement est daté. Tu vois Exactement. Et ça, c'est important. Donc Jimmy euh, est venu à la radio pour faire la promotion de son livre qui s'appelle Nos maîtres les extraterrestres. Et il dit, euh, il vient de sortir hier. Et donc aujourd'hui, je fais la promo. Tu prends ton bouquin. Il y a marqué dessus l'édition il a marqué novembre 92. Et alors, les gens disent, ouais, mais là, euh, la bande, on peut la trouver quelque part et tout ça. Alors, non, pourquoi Parce que cette radio, Tour Eiffel 95,2 a disparu il y a plus de 24 ans, faute de, de budget. Et puis, euh, bon, bah, ils ont arrêté ça là. C'était une radio qui, euh, qui s'occupait de recevoir des gens dans le spectacle, qui faisait des points de circulation, etc., sur la capitale de Paris. D'ailleurs, j'ai laissé volontairement, qu'est-ce qui se passe Le point de circulation pour bien voilà, montrer le trafic, que... ouais. Ouais, exact. okay. Voilà, exactement, le point trafic. Et donc, euh, la bande, euh, la seule que j'ai, c'est l'enregistrement que j'ai, puisque la radio a disparu. Jimmy est mort en 2000. Et il n'y a pas de truc d'INA, parce que c'était une radio locale. et tu mets pas y avoir une radio dans mon quartier, puis elle disparaît demain matin. Tu vois bon. Et donc, quand j'ai retrouvé cette bande, je me suis dit, il faut absolument que je la divulgue. Parce que. Bien Un, ça va, ça va faire taire tout le monde, euh, dans le sens. Euh, alors, comme j'ai dit, c'est important, je ne suis pas ici pour convaincre les gens de mon histoire. Je suis ici pour expliquer que je parle de ce qui m'est arrivé, de mon histoire, depuis des décennies. Et pas, voilà. oui, l'autre, euh, il raconte ça, mais bon, euh, c'est une pâle copie, la inventé, de Corrigood. Eh bien, je m'adresse à toi, mon gars. Il va falloir que tu fasses tes, tes études. Parce que tu as le droit de ne pas me croire, je n'ai aucun problème avec ça. Bien que quand tu racontes quelque chose avec autant de témoins oculaires et des preuves et de tout ce que tu as vécu, il y a de la mauvaise foi. Mais admettons, on va aller loin. Tu ne peux plus dire maintenant un tel a copié sur un tel. S'il y a la preuve qu'il ne l'a pas fait, tu ne peux et pas t'amuser et... à faire ça. Non, et une cassette, c'est une preuve reconnue, oui, est est recevable. Est tout recevable. Pas Tout à fait. Une euh, cour de justice. Oui, parce que si quelqu'un fait des menaces de mort à quelqu'un et du que moment, la seule chose aussi... qu'on a on, a, on a un enregistrement audio de la bande du gars et qu'on reconnaît sa voix, le gars est accusé. Voilà. En fait, à partir du moment où les interlocuteurs sont identifiés. Exactement. Tu peux et là, on en cours. Exactement. En plus, là, je donne, je donne voilà. mon prénom au téléphone. Et le truc important, c'est que dans le. le, 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 le l'entrevue que je fais au téléphone, euh, j'explique qu'à un moment donné, je suis dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye, en France, et je suis avec des amis, et quand nous sommes dans cette petite forêt de Saint-Germain-en-Laye, il se passe quelque chose, il y a un dégagement de chaleur énorme, des picotements, et on a saigné du nez. Et euh, mon ami qui dit, ma mère se fait soigner euh, pour un cancer avec de l'ozone, je ne sais pas pourquoi, hein, je ne suis, suis pas médecin, donc je ne peux pas te le dire. La radioactivité. Mais... On appelle chose ça qui... une technologie nucléaire. C'est ça. Alors, Jimmy dit, bah, oui, si tu as saigné du nez, c'est parce qu'il y a eu un changement de pression artérielle et que c'est souvent reconnu comme les gens qui sont euh, survolés par des ovnis ou par euh, une apparition quelconque en rapport avec les extraterrestres. Donc déjà là, il valide en plus de ça. Et là, je me mets à saigner du nez. Et là, pendant qu'on était dans cette, euh, dans cette forêt... Et qu'on a, on a entendu un, une espèce de, de, de bruit, ça faisait bouf, 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 comme ça, tout un truc vraiment très bizarre. Et il y avait une lumière qui pulsait. Là, on s'est retrouvé, on, on, on a été dérivé à plusieurs kilomètres de la voiture où on était, on était garé. Et au moment où on arrive sur une espèce de, de, de route qui passait, on voit les, les faux de voiture qui passent, on fait Ah, oh, ça doit être par là, on va, on va longer la route, on va être sûr. Tu sais. C'était notre indicatif parce qu'on était perdu en pleine forêt. Il y a deux motards qui se pointent. Habillé tout en noir avec des lunettes euh, jaunes, en, comme des lunettes de soleil, mais euh, très modernes. Et euh, déjà, il nous demande qu'est-ce qu'on fait ici. Donc, euh, une voix monocorde, tu sais, vraiment très, euh, très robotique. Il nous demande nos papiers et ils prennent nos papiers puis ils les regardent comme ça, fixe, pendant euh, peut-être euh, une minute ou deux, sans se parler, comme s'ils étaient en train de nous enregistrer. Je ne sais pas d'où ils sont sortis, ils sont arrivés de nulle part. Il me demande ce qu'on fait là. Alors nous on dit simplement, euh, bon bah on est des, des, des astronomes en herbe, euh, a un... <laughs> n'importe quoi, tu sais, on regarde les étoiles et tout. Puis là, bah là, l'autre à côté, il dit Ouais, mais euh, on a saigné du nez, il euh, y a un dégagement d'ozone Hop le gars. Bah c'est parce que pourquoi ozone Bah c'est parce que ma mère euh, se fait soigner pour un cancer et tout. Et puis là, il, il a toujours des papiers, tu sais, il regarde comme ça et nous les puis ça qui sont partis et là on s'est rendu compte qu'on était à plusieurs kilomètres de notre, notre point de, de départ tu vois d'origine ouais. d'origine le lendemain on entend euh, à la radio euh, partout euh, que il y a eu euh, soi-disant un survol d'un objet volant non identifié près de la forêt de Saint-Germain-en-Laye un témoin qui promenait son chien a vu une lueur etc etc j'ai fait tiens quelle étrangeté ça. Et, et après on en a pu parler Maintenant, toi, je t'ai dit où c'était, tu as fait euh, ton enquête et tu as Exactement. découvert que dans cette forêt, il y avait quelque une chose. Une base militaire. Alors, je ne savais pas. <laughs> il y a une base militaire dans cette forêt, au point, à proximité de l'endroit où tu avais on... rencontré les motards. C'est ça. Alors, hasard ou pas hasard, encore une fois, euh, on trouve ça très étrange. Donc, là je ressaute maintenant sur. Bah, bah, C'était dans, dans le même thème sur, euh, avec Jimmy. Euh, il me dit, Jimmy, euh, à la radio, euh, écris-moi. Euh, bah, je lui dis, je veux bien euh, vous écrire, mais sauf que ça va être intercepté. Et il dit, bah, mets pas mon nom sur l'enveloppe. Euh, et puis, euh, et puis comme on reçoit des milliers de courriers pour d'autres choses, euh, ça va passer. Mais je ne suis pas rassuré, parce que je me dis, si j'envoie des informations me concernant... Euh, j'ai pas envie de prendre le risque. Et il se trouve que euh, je connaissais à l'époque euh, une personne qui était très proche de lui et qui m'a dit, euh, bah écoute, euh, je donne son numéro de téléphone, euh, appelle-le. Je l'appelle et je lui dis, j'ai quelque chose à, à te proposer, je vais venir te chercher à la gare parce qu'il n'avait pas de voiture, il ne conduisait pas. Une particularité. Euh, ouais, particularité de Jimmy, il, il aimait bien se faire conduire, mais puis en même temps, ça le, ça le faisait chier les embouteillages, donc euh, <laughs> j'allais le chercher à la gare à côté de chez moi. Il est venu deux fois à la maison et il est venu souper chez moi, dans mon appartement. Et là, j'étais tout seul avec lui, donc là, j'avais toute la latitude possible et je lui ai tout montré. Les écrits que j'avais à l'époque, que je n'ai plus, qui sont sur la bande. Et... Je lui ai expliqué tout ce qui m'était arrivé. Alors là, forcément, il avait des yeux grands comme des soucoupes. Et c'est le cas de le dire. Et euh, il me dit, euh, je peux partir avec les documents. Je dis, ben, je t'ai fait des photocopies pour toi. Tu peux partir avec. T'inquiète pas, Jean-Charles. Comme il le dit à la radio, madame, si vous avez un problème d'abduction, etc., vous pouvez me le confier. Vous n'avez pas de problème, je suis quelqu'un de confiance. Je vous je le jure sur tout ce que j'ai de plus cher. Et c'était quelqu'un de confiance, Jimmy. Donc, je lui remets mes documents. Dans une espèce de dossier en plastique rouge marqué Jean Charles dessus, avec des photos et puis des trucs, la totale de l'époque. Et il s'en va. Quatre ans plus tard, on se parle de temps en temps, mais on se parle plus comme avant parce que. Il est occupé, puis moi aussi, puis la vie, la vie continue, toi. Donc, ouais, mais mais est... On, est, on est quand même en contact, on s'écrit, euh, Joyeux Noël, machin. Je me rappelle que j'avais envoyé une bouteille de champagne Tétinger pour Noël, qui n'a jamais reçu d'ailleurs. Donc à ceux qui l'ont pris, euh, ils ont bu un coup à ma santé. Euh, ça m'a coûté un bras d'ailleurs, Tétinger, et les gens qui connaissent Tétinger, euh, il aimait ça. Bon, il l'a pas reçu. Pas grave. Ce qui est étrange, c'est que des années plus tard, il a sorti un livre qui s'appelle Psyboy, dans lequel ça raconte l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Jérémy, et qui a des facultés euh, paranormales, et une aura blanche, et... Et alors, voilà, c'est ça qu'il faut, qu faut relever. Ouais. Donc déjà, c'est un livre qui est paru, Psyboy, en 1996. Soit, Merci. Soit... Quatre ans euh, après. Quatre ans 90. après... 92 hmm. et la communication de tes écrits. Parce Exactement. Donc je continue. Donc, attends, je trouve que... Ouais, vas-y. Par rapport à Psyboy Boy, ce qui est marquant, quand tu m'as parlé de Psyboy Boy, euh, j'ai cherché sur Internet pour regarder hmm. que ce truc, mais comme on sait que Jimmy, dans ses livres, mettait mm -hmm. des balises, transformait, oui. s'inspirait de faits réels oui. pour en romancer. C'est ça. Et sur la, la page de couverture, ouais. on, on peut distinguer un enfant qui tient par la main, main une petite fille et cet enfant-là, qui semble très jeune, hein, qui semble peut-être avoir euh, 8, 8, 10 ans, 12 mm -hmm. ans, 13 ans. Mm -hmm. Mm -hmm. Et il y a deux silhouettes sur la couverture et il y a que le garçon, parce qu'on distingue, distingue bien qu'il y a deux genres, il y a un, ouais. un, un, un petit garçon et une petite fille. Mm -hmm. Donc, ce petit garçon... Qui tient par la main en montant une espèce de montagne ou une butte, est enveloppé, il l'a dessiné, enveloppé d'une aura blanche. Et là, il savait, il savait hein, sûrement. Et il savait puisque tu avais déjà cette... Euh... Oui, oh, j'avais la photo. Tu avais déjà la photo. Voilà. La ruine, ouais. Exactement. Et tu en as parlé euh, suite à ça aussi à un autre de tes amis qui s'appelle Christophe. Christophe Tetz. Que je salue. Salut et que et merci de, de, de me suivre sur la chaîne. Je te remercie ouais, infiniment ouais, ouais. et de ton soutien. Et donc, il a lu le livre parce qu'il a réussi à se le procurer et il a découvert et des toi, choses. Toi, toi tu l'as chez toi aussi. Je l'ai, mais moi, je ne l'avais pas lu. Voilà. Et il te dit, Jean-Charles, c'est incroyable. Assieds-toi, tu, tu m'as parlé de, du livre et de Jimmy. Je ouais. me suis remis à lire ce livre. Et là, qu'est-ce qu'il a trouvé? Alors, attention, accrochez-vous bien, parce que c'est un truc de dingue. Alors, le personnage fictif qui s'appelle Jérémy, eh bien, euh, est en, a une petite amie, euh, la petite copine, elle s'appelle Stella. Bon, ce qui est étrange, c'est que Stella, c'est le nom de la fille que j'ai eue quand j'étais, avant de venir sur la planète Terre, avec Lyra. Et là, lui, il ne le sait pas. Il sait par contre que j'étais avec une femme avec la peau bleue. Donc, il a comme une espèce de divination dans son truc. Vous allez voir pourquoi je dis ça. La petite fille Stella, dans le bouquin, vit au Canada, au Québec, au Mont-Saint-Hilaire. Ville que j'habite en 2004 après. Il a sorti son livre en 1996. Et en 2004, j'immigre au Canada. Très étrange. Dans la même ville. Oui. c'est La ça. même province, le même pays. C'est pas fini. Dans un chapitre, il y a euh, une situation dans laquelle euh, il y a un bar dans le et dans cette rue euh, il y a des, des motards qui arrivent. Il appelle les Hellsfire. C'est ça. Il a déformé le nom. Une bataille euh, s'engage dans ce bar et le petit arrête la bataille avec ses pouvoirs. C'est quand même très étrange parce que j'ai travaillé dans un bar des années plus tard, dans un endroit où effectivement il y avait beaucoup de personnes différentes et euh, je servi de mes capacités euh, souvent pour intervenir. Mais le petit Jérémy se retrouve impliqué dans des batailles de bar alors qu'il est, est, est à côté dans la rue ok bon mais c'est pas fini et précise lors de ta bataille en 2009 oui qui était impliqué du monde c'est ça ok donc on, on voit déjà que Jimmy prend des faits réels d'endroits et change les noms et les situations mais la base reste la même à un moment donné lorsque le petit garçon naît il y a des journalistes qui sont là parce que l'enfant ne devait pas naître. Il est... La mère a été enceinte alors qu'on ne sait pas qui est le père. Un truc vraiment très bizarre, tu vois. C'est comme... comme la Vierge Marie, tu vois. Ouais. Et là, les journalistes sont là, qu'est-ce qui se passe, machin, etc. Et euh, le père dit en blaguant aux journalistes, comment Vous n'êtes pas au courant Il est vert avec les yeux rouges. Une chance sur combien qui disent ça. que l'enfant est vert avec les yeux rouges. C'est ça. Alors -ce que, que tu parles dans tes ben... bandes en 88, lui, oui. tu, tu donc faisait des écrits avec ton corps que tu as transmis et lui s'est inspiré. Ben plus, oui. Il l'appelle Psyboy, boy l'enfant oui. du cosmos. Il faut savoir une chose, à la fin de mon documentaire, je mets un texte pour Jimmy, parce que suite à tout ça, quand il est venu à la maison, on est devenus amis. Et il m'a dit, Jean-Charles, avec ce que je lis en ce moment, tu ne peux pas sortir au grand jour. Attends le bon moment. Sinon, c'est trop dangereux pour toi. Donc, j'ai marqué, j'ai attendu toutes ces années, ces décennies, pour sortir au grand jour, comme tu me l'avais dit, Jimmy. Je l'appelais Jim de temps en temps. J'ai attendu. J'ai attendu un signe du ciel. Et ce signe, c'est lorsque j'ai retrouvé les bandes. Ça voulait dire, vas-y Jean-Charles, c'est le moment. C'est le moment de pouvoir remettre les pendules à l'heure. C'est le moment de pouvoir dire aux gens que tu as parlé il y a tant d'années. Encore une fois, le but n'était pas de dire, je suis le premier, blablabla, euh, comme certaines personnes. Je ne suis plus capable de cette espèce d'insuffisance et de supériorité à mon égard, en me traitant de tous les noms, parce que tout se sait hein, dans le milieu, hein. et je pense que la personne sait à qui je m'adresse. Ça va arrêter, là, l'hémorragie. Ça va arrêter. Avec cette cassette, lorsque je vais renvoyer ça, mon documentaire, à mon ami, Dan Willis, à Elena, à Danny, à Michael, tout le monde a dit, mais Jean-Charles, c'est tout ce que ça veut dire Je dis, bah, que j'ai parlé il y a trente et quelques années ça veut dire que tu le premier. J'y vais le premier par rapport à quoi Mais en 1988, 89 et 92, il y a personne qui parle de programmes spatiaux. De mener une blague, de ci, de ça. Il n'y a personne. Il n'y a pas quelqu'un. Non, il n'y a pas quelqu'un. Il y a personne. Et tu as la preuve audio. Et curieusement, vu que ça remet tout en cause au niveau de la chronologie, etc., etc., encore une fois, c'est pas moi qui le dis. Ce sont des gens qui ont étudié ça. Alors, comme je le dis des, encore une fois, que tu, crois, tu crois, voilà. hein. que tu y crois ou que tu n'y crois pas, c'est ton problème. Mais par contre, ce que tu ne peux plus dire maintenant, c'est que je suis un pas limitateur, comme certains disent dans leur émission. Euh, comment on s'appelle déjà euh, Peut-être la planète. <laughs> ouais, donc déjà, le nom, euh, déjà, il se pose la question si la planète est, si la planète est plate. Peut-être. Peut-être la planète. Et, et j'ai rien contre ces gens-là, hein, à chaque fois. Moi, la, la différence entre moi et eux, c'est que moi, j'ai rien contre eux. Sauf que il faut arrêter de faire de la diffamation et de dire, comme je dis, tu crois ou tu crois pas, tu as le droit. Mais tu viens pas dire à quelqu'un, Oui, euh, ce gars-là est un palimitateur, euh, avec David Rousseau, euh, il s'invente des vies, puis de toute façon, c'est récent là quand il parle là. Ben non, non, mon gars, c'est pas récent. Il oui. faut que tu changes ton narratif, gars. C'est fini là. Mais bah si parce je que maintenant, recherches, exactement. Si T'en fais pas. Alors base, attends, attends. Recherche, c'est bien de le dire, parce que quand quelqu'un, cette personne qui va se reconnaître, dit, ouais, j'en sens le moyen, euh, Riff Sud, décroche, gars. J'en ai fait cinq autres films. J'en suis à mon sixième. Ok. Il y a eu Riff Sud 2, très très réel hein, de ce qui m'est arrivé. J'ai décidé de parler et que c'est assez. Exactement. Et il y a Révélation Starseed 1, et deux, dans lequel il y a les preuves que les gens disent Ouais, mais il faut des preuves, des témoins. Euh, évidemment, il était tout seul. Mais non, mais si tu ne te renseignes pas, tu as juste à faire Google. Google mon nom. Il n'a pas fait de recherche. Parce qu'il avait fait des recherches, il aurait dit Bon, il a sorti un documentaire. Et là, il vient de sortir un nouveau documentaire dans lequel il y a la date ici. Moi, je serais curieux, ça passe. Je dirais Tiens, qu'est-ce qu'il dit Et justement, euh, euh, justement, justement. Euh, cette personne-là, euh, a dit récemment que. Euh, Coast to Coast, c'est vraiment ah, euh, la référence, et on n'invitait pas des clowns. Et il se trouve que c'est le gars de Coast. par to... le créateur de du Coast to Coast. <laughs> et voilà. Mais ça, on n'en parle pas. Alors, est-ce que c'est euh, parce qu'il ne le sait pas Je pense. Je ne je, je dis pas de mal des gens. Jamais, 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 jamais. Pourquoi Parce que tout le monde a le droit d'avoir son droit de réponse, etc. Sauf que ce que je n'admets pas, c'est quand on accuse quelqu'un de quelque chose qu'il n'a pas commis et que quand la personne s'innocente avec une preuve, on continue. Ça, ça s'appelle du harcèlement. Euh, ensuite, donc, tes documents mm -hmm. que Jimmy avait, mm -hmm. où sont-ils passés Alors, Jimmy avait donc en sa possession mes documents et des documents d'autres personnes, bien évidemment. Et lorsqu'il est euh, décédé, eh bien, euh... mais je ne les ai pas récupérés. Donc... Alors, je ne sais pas qui les a, s'ils si ont été détruits, ça. mais ils ont été dans les mains de quelqu'un. C'est ça. Et autre Et... chose. Exactement. Je sais, sais qu'ils 2... Que... On Star -C2, avait dit qu'on en parlerait ici, donc je vais en parler ici. Et... Voilà. Et on a on a dit que on pouvait pas, on avait parlé, enfin tu avais parlé d'un oui. ufologue très connu Oui. qui avait récupéré le boîtier pour l'analyser, pour le faire analyser. Qui avait, qui avait été utilisé contre moi l'arme à énergie dirigée euh, des, des hommes noirs où j'avais été impacté euh, dans le dans la poitrine euh, avec mes vêtements et, 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 je, et je lui ai donné à Jimmy. Voilà. Donc, c'est cet ufologue très connu. Voilà, c'est Jimmy Gueux. Jimmy a donc donné ça à des amis qui étaient scientifiques parce qu'il avait le bras long dans beaucoup de, de communautés autour de lui. Il, il, était, il était apprécié et il est toujours apprécié. D'ailleurs, euh, parenthèse, euh, l'autre fois, Bob ABTLV euh, a fait une émission spéciale avec, euh, je ne sais plus comment il s'appelait, euh, le gars de, des repas ou je ne sais plus quoi, UFO. il faut. Euh, ils ont, fait, ils ont fait un portrait de Jimmy. Là, dit, Il a dit s'il y avait une personne qu'on admire plus que tout et qui est quand même un, un maillon ah, important mais... de l'ufologie française, non. Stéphane Royer, je pense. Stéphane Royer. Donc Bob avait reçu Stéphane Royer, ils ont parlé de Jimmy en disant que c'était une personne extraordinaire et que c'était vraiment dans l'ufologie une personne très sérieuse et que malheureusement incompris à l'époque et qu'il s'est fait euh, euh, pas mal insulter sur, sur, à la télévision, à la radio et tout, mais ça restera Jimmy, la personne la plus emblématique que la France ait eu au niveau ufologique à ce moment-là. Il n'était pas seulement écrivain, c'était un recherchiste incroyable, il connaissait des gens comme John Mack, avec l'histoire du Zimbabwe, il connaissait John Lear, il est allé euh, aux, aux États-Unis, au il, il a vécu au Québec, au Canada pendant quelques années, euh, il est allé euh, à Albuquerque, il a rencontré les hommes Noirs. il a rencontré plein, plein de gens, euh, Le mufone aussi, il, il était impliqué. Donc, c'est quand même la référence. Et il se trouve que cette personne qu'on nomme encore, c'était mon ami. Donc, je lui ai donné le boîtier et il l'a donné à analyser. Ça a pris un certain temps et il me dit Oh, bah ils n'ont pas trouvé grand-chose à part un cristal à l'intérieur bleu avec euh, des, des, des éléments électroniques, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Mais bon, je lui dis Bah, écoute, euh, tu pourrais me le rendre Et il me dit euh, Ouais, ouais, et je vais demander à mon ami euh, à l'institut. Le temps passe, je n'ai pas de nouvelles. Je le rappelle, je lui dis Est-ce que tu as mon boîtier Et il me dit Ouais, il euh, y a un problème. Euh... Le, 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 le boîtier, euh, il l'a il, il égaré. Et là, je fais non, non, non sérieux, non, sérieux c'est pas drôle. Parce que là, c'est vraiment une preuve énorme que j'ai, je, je voudrais le boîtier. Et finalement, je découvre que non seulement le boîtier, ils l'ont pu, mais que le gars en question s'est fait virer du labo où il travaillait. Et j'ai plus jamais eu de nouvelles du boîtier. Là, on s'est plus trop parlé. Ça, c'est la version officielle, ça Oui, oui. On ne s'est plus trop parlé, je ne lui en voulais pas pour ça, hein. mais ça m'a fait, ça fait oh chier. Quoi. Et euh, oui, tu et... avais, avais quelque chose de matériel. Euh, bah, évi... Évidemment. Donc... Heureusement que tu as réussi à la prendre en photo. C'est mon père qui a pris la photo. Oui, heureusement qu'il a réussi. Parce à que la mon en père, il prenait des photos. photos il... Quand on pouvait filmer avec la caméra, on avait une caméra après qu'on a achetée, mais ça, ça coûtait cher les caméras sûr. avant. Hein, euh... Donc, en tout cas, euh, ça c'était la parenthèse. Et, et donc, non, le boîtier a disparu et mes écrits ont disparu. Alors, au moment est où on parle. Ben oui, c'est ça, parce que c'est ça. Parce que dans ma vie, après, il s'est passé plein de trucs. Tu vois. Donc en France, un institut scientifique Exactement. A en sa possession, ton boîtier ouais. aurait ton boîtier. Exactement. C'est pas technologie d'un autre monde. C'est ça. Ou alors elle a été restituée à ses euh, propriétaires. <laughs> Je sais pas. Mais après, euh, des années plus tard, où j'ai eu de nouveau des problèmes avec euh, des gens habillés en noir sur mon lieu de travail, de, de toute façon, comme dit Laurent dans le, dans le documentaire, il dit J'ai écouté la conversation et ils étaient très au courant des capacités de Jean-Charles. Comment ils pouvaient être au courant C'est ça la question. C'est ça. Donc, si on vient de chercher toi en particulier, ça. ou qu'on essaye de te nuire, c'est que ton nom circule. Quand il y en a qui disent euh, en rigolant comme ça, euh, si c'était vrai, euh, il ne serait plus là pour en parler, il aurait pris un 33 tonnes dans la gueule. C'est ça. Mais qui te dit qu'on ne m'en a pas envoyé des 33 tonnes, déjà Quand tu vois mon parcours et ce qui m'est arrivé, quand j'explique ce qui m'est arrivé. Quand on voit la réussite de quelqu'un qui est arrivé à un, un truc, c'est-à-dire mm -hmm. qu'il a arrêté à Gaïa, mais personne ne voit. L'envers du décor, les coulisses, ah en non. voyant le cheminement. On voit toujours l'arrivée. Donc, mmh. ça suscite la jalousie. Mais mmh. quand on voit. Personne ne voit le cheminement qu'il y a eu. Les, les embûches, les, mmh. les obstacles. Mmh. Oui. Les gens, les gens qui t'ont aidé dans. C'est tout. Mais encore, encore une fois, c'est pas fait pour dire. Cette cassette-là n'est pas faite pour dire que ce que tu as vécu est vrai. Mmh. C'est fait pour dire que tu n'as copié sur personne. Moi, j'ai parlé de ça, mais alors. 36 ans. Alors, là, on ne parle pas de 5-6 ans. 36 ans, c est, c est, ça n'a pas que, de sens. est ce que tu dis il y a 36 ans n'a pas bougé d'un état actuellement non. de ta version. C'est ça aussi qu'il faut. Sauf que le seul vrai. chose qui a changé, c'est ton accent. Voilà. Ah bah ouais. Tu as l'accent par, par ego. Voilà. Mais oui, oui, oui non, non, non. Puis, puis ça me fait bizarre de m'entendre parce que tu, tu reconnais que c'est ma voix, mais par contre, au niveau de l'intonation, il euh, n'y a, a rien du tout. Tu euh, es. Et puis ça fait bizarre parce que tu as vraiment l'impression de voyager dans le temps. Tu vois Et les choses que j'avais oubliées, que j'avais dit sur la cassette à cause de mon choc que j'avais eu, alors que j'ai dit « ouais, mais comment il a fait pour oublier Excusez-moi, je suis mort 9 minutes. Désolé. Hein. Bon, bah là, quand, non, tu même... ch... exemple, quand tu prends un choc comme oui, ça, oui. je veux dire, il peut y avoir des petits morceaux que. Mais Et... on va souvenir ce que tu as fait il y a 10 ans déjà. Oh, des fois, c'est. À part l'effet marquant. Ouais. Déjà, c'est une preuve déjà le fait que tu es toujours la même version. Ça veut dire que c'est un truc que tu as vécu et que c'est un oui. effet marquant. Ça te marque. Donc tu t'en souliras... euh, Comme vécu. tu dis. Et quand tu entends euh, tes propres parents qui racontent ce qu'ils ont vécu. À 82 ans, dans l'excitation, comme s'ils avaient vécu ça hier. Mais tu vois bien qu'ils ont, ont vécu quelque chose, parce qu'ils sont là super énervés. On était en auto, et puis j'ai dit dans le rétroviseur Jean-Charles, regarde, euh, c'est quoi derrière Et tu sais, puis on voit les avant-noirs. Là, j'ai doublé trois x 3 les voitures. Puis tu sais, ta mère se remaquillait. Enfin, il y a trop de détails, tu comprends, pour dire ah oh bah ouais, il répète ça. Tu vois, tu vois bien que la personne qui raconte ça, déjà, a aucun intérêt, surtout à cet âge-là. Et puis à parler à visage découvert en expliquant avec les moindres détails. Et comme il dit, je ne peux pas tout dire. Hein, parce qu'il y, y a des choses qu'on qu dit ah ça. non non sans ça, pas le dire parce que ça non faut pas il y a des euh, choses qu'on peut pas dire exactement donc tout ça pour dire que ces cassettes sont authentiques et que dans le documentaire euh, que, que, que j'ai sorti j'explique vraiment tout ce que je dis depuis des années mais maintenant donc, donc je ne suis pas un copieur tu n'es pas un copieur et historiquement parlant tu es le premier à en avoir parlé. Ça effectivement, c'est pas moi qui le ça, dis Dan, encore une fois. Non ça, non, non, ça c'est Dan Willis qui, qui le dit et le docteur Michael Sala. Et puis si quelqu'un euh, dit bah il y en a d'autres, bah, OK, bah, amenez-nous euh, quelque chose de Oui parce comme que si, bah, c'est voilà, facile de dire ça. Ouais, moi aussi. Vidéo, comme on disait déjà dans la dans une la, la première vidéo qu'on a faite ensemble que Bien sûr. voilà. Si vous contestez, vous voulez contester mmh. l'épreuve, apportez l'épreuve contraire. Ben oui, parce que sinon, ben, mais je ne les ai pas. Ben alors, dans ces cas-là, tu sais ce que je vais te dire. Tais-toi. Tais, tu ne vas pas dire à quelqu'un, oui, euh, alors on n'a rien trouvé sur ce monsieur, rien de suspect, mais euh, au fond de moi, je ne le crois pas. Ça, c'est ton problème. Par contre. C'est le mental euh... qui bloque, c'est tout. C'est le mental qui bloque Oui, mais tu as le droit. Là, les, par, les par contre, sont là, on se base sur les faits, encore une fois. Tu sais, l'exemple, frérot, de. Quand Chris Esson est allé analyser euh, la barre de métal dans l'escalier qui avait fondu plus de 30 et quelques années, euh, plus de 20 kilowatts en une fraction de seconde qui fait fondre le métal, faut qu'on m'explique. Alors, ouais, mais elle est où cette barre de métal qu'on l'analyse Oui, pour qu'elle disparaisse comme le boîtier Tu pourras pour un imbécile ou quoi Tellement facile, tu sais. De, de, de... Les gens te demandent des preuves, et quand on a, on dit que c'est des fausses preuves. Là maintenant, c'est, ouais, c'est la IA, c'est mid-journée, c'est si, c'est ça. Mais. Si un petit peu perspicace et analyste, vous vous rendrez compte que même mi-journée ou quoi que ce soit, on voit que c'est faux. Ça se voit. Le regard, les yeux, le machin. On voit que c'est... De... Les mains. Les mains. Des fois, il y a six doigts et tout. On, on le voit quand il y a un trucage. Okay et ce n'est pas moi. Hein Je veux dire, n'importe qui dit, oh, c'est du mi-journée, ça se voit bien. C'est bien fait, mais on voit toujours. Alors là, quand tu as quelque chose comme ça, une preuve qui apparaît, et que tu la sors, et que là, personne n'en parle, voilà... Je, je fais des, des, des entrevues un peu partout. J'en ai fait au Brésil. J'en ai fait. Euh... Ah oui, là aussi, je, je suis content. Je, je, je salue le Brésil en passant. Parce qu'il y a une communauté de plusieurs centaines de milliers de personnes qui me suivent au Brésil. Euh, pareil pour le Japon. Euh, c'est quand même pas rien. Je veux dire. Cette année, euh, on repart en France avec tout le monde. Mélanie, voilà. euh, sera conférencière. Et, quoi et tes et, projets là-dedans Alors, mes projets, c'est ça. Alors, là, je m'en vais en France pour. Euh... La, la, les rencontres galactiques euh, partie 2, et là, la particularité, c'est qu'il va y avoir euh, Mélanie, moi, euh, Elena, Michael Salah, Tony Rodrigue, Dan Willis, pour la première fois au monde, ils vont venir physiquement en présentiel. Ok Bon, à part Dan Willis qui va être à distance. Mais sinon, sinon va Mike, Michael va être là, Tony va ça. être là, Elena, etc. Ça, c'est vraiment. Wow, tu vois. C'est une première vraiment... en France, en tout cas. Ouais. Ouais, c'est ça, exactement. Ils sont jamais venus en France de leur vie, donc euh, c'est génial. Ça, c'est le premier truc. Ensuite, nous repartons au mois de septembre pour la troisième fois au Jessica 3 qui aura lieu dans le Colorado à Denver. Là, tu te dis comme, waouh, super, mais c'est pas fini, non. parce que au mois de novembre, nous sommes invités à les raconter ma vie au Japon devant. Des milliers de personnes encore, parce qu'il y a encore une communauté de plusieurs centaines de milliers de personnes au Japon qui me suit. Et tu, avec tu des es très attendu là-bas. Très attendu. Et je vais tourner en même temps mon troisième R Révélation Starseed 3, Connexion avec le Japon, sur mes origines avec le petit Oshi et la montagne Mont Fuji, dans laquelle j'ai rencontré la déesse du Mont Fuji, dans lesquelles je raconte encore des choses dans mon petit journal que j'avais raconté quand j'étais jeune où je parlais que j'étais en contact avec cette personne, cet être, et qui a été retrouvé dans des bouquins. Et il y a tellement de choses à dire, mon ami, parce que j'ai encore une fois tout écrit, et il y a un tableau qui a été fait de moi, de mon ancienne vie, dans lequel on représente une ancienne vie que j'avais au Japon, à Sendai, datée de tout. Et dans les bouquins au Japon, ils ont retrouvé des traces de ce mystérieux personnage. Quand j'étais incarné dans ce personnage. Oui, tout à fait, tout à fait. Et alors là, euh, la place à la, au doute n'est plus là. T'as si, si, si... pas, as pas connaissance du, du Kenji. Donc mais tu, non, mais je, mais je lis pas le japonais. Tu non. le lis pas le, le, le japonais, même si tu des, des origines. Oui. Asiatiques et japonaises. Oui. oui. Ça veut pas dire que tu lis le Kenji, vu que t'as pas grandi là-bas et tout ça, et qu'en plus tu puisses inventer une histoire. Mmh avec des documents historiques que les Japonais qui habitent là-bas, qui sont natifs, t'envoient des documents. Je suis, d'ailleurs on salue Mariko, je suis historienne. De métier. Et, et Miyoko. Et Miyoko, Miyoko mais il de Mariko parce que... c'est Ma, Mariko qui avait trouvé. Ouais, et, qui avait trouvé, ouais. a trouvé des documents écrits en Kenji, écrits en, en langue oui. traditionnelle, mm -hmm. qui retraçaient la vie d'Utsu. Et euh, de, 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 du phénomène euh, ufologique euh, du Japon. Qui eux-mêmes ah, disent. Encore un truc super important, tu parles d'Otsu, mais oui. là, il faut que je te dise quelque chose. Il y a Otsu et il y a Kono. OK Bon. Oui. Ce, il y a la gardienne et la déesse de, 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 du Mont Fuji. Lorsque nous étions en 2019 euh, à Hawaï pour le tournage de, de, de Rive Sud 2. À un moment donné, on était en jeep dans la montagne d'Hawaï et on croise un vieux cimetière japonais qui m'a vraiment subjugué. Et je dis à Mélanie :« On s'arrête là, j'ai envie de prendre une photo. » Il y avait des vieilles tombes qui dataient de peut-être 70, 80, 100 ans, toutes marquées en japonais, mais euh, très usées par le temps sur la pierre. Et là, je tombe sur une, je me mets devant celle-là. Je ne sais pas ce qui est marqué dessus, mais il y a quelque chose qui me faisait il faut que je me mette devant. Et là, je me, je, je me mets comme ça, puis je ferme les yeux, puis j'envoie je, une prière. Alors, je ne sais, sais pas à qui, mais j'avais envie de me recueillir dans un cimetière japonais, parce que les Japonais ont été nombreux à immigrer à Hawaï euh, dans ces années-là. Oui, oui, complètement. Et là, euh, Mélanie dit bah, prends-moi en photo, euh, j'ai vu une belle pierre tombale là-bas avec des fleurs et tout. Il euh, euh, y a comme des anges dessinés dessus et tout, puis elle se prend en photo. Des années plus tard, vraiment 4-5 ans plus tard, je suis en contact avec Miyoko et Mariko. Et euh, je dis, tiens, maintenant que j'ai des amis japonais, euh, japonaises, je vais demander qu'est-ce qui est marqué sur la pierre tombale. On est 4-5 ans avant. Hein. Ok Retiens bien ça. Et là, sur ma pierre tombale en japonais, c'est marqué « Guerrier de lumière, fils d'Utsu ». Et la pierre tombale dans laquelle est, est, est Mélanie, c'est marqué… Kono. Il n'y en a aucune autre. Donc, quel est le pourcentage de chance Impossible. Et en plus, t'envoies en, en disant, regarde, euh, oui. j'ai des souvenirs d'Hawaï à Mareko. Qu'est-ce que ça veut dire Je ne sais pas. Sais ce, mais tu sais ce qui a marqué dessus Et là... Et là, elle à... te dit la traduction ouais. euh, qui a marqué dessus. J'étais complètement... C'est incroyable. C'est incroyable. Et, et, et là, quand j'explique que quand je, quand je suis enfant et que euh, je m'appelais euh, Oshi. Et que je vivais dans un village qui s'appelait Sendai, il y a des centaines et des centaines de villes au Japon. Eh bien, j'ai découvert par cet historien que la ville de Sendai, qui existe là, tous les habitants, comme Dupont, Durand, machin, dans dire. cette ville, s'appellent Oshi. Qui veut dire Étoile. Et eux-mêmes, les six habitants-là, disent qu'ils viennent d'où Des étoiles. Voilà. Comme Starseed. Et qui qu passe beaucoup euh, aussi de messages. Exact. Par le biais d'animer de, de mangas. Et oui. Et qui passent beaucoup de messages de, par rapport à leurs observations. Et d'ailleurs, il, il y a des mangas euh, ah. fantastiques que... euh, qui parlent beaucoup d'ailleurs de... Il de, de, y a un manga moi, moi, qui s'appelle mon... Le Prince au-dessous, dans lequel c'est un enfant okay. qui a des pouvoirs de télékinésie, etc. Et tout, qui a une aura blanche et tout, et tout, et tout. Et elle m'a envoyé ça à Mariko en me disant, regarde ça. Et je suis resté comme mon Dieu. C'était vraiment très très particulier. Donc là-bas, ils croient en moi énormément et, et ils ont hâte que je vienne. Et je vais tourner en plus là-bas. Ça, ça va être, ça va monumental. être fantastique. fantastique. Ça va être fantastique. Et on te ouais. recevra une, je te recevrai ben à, oui. à une autre occasion ben oui. pour présenter une présenter ça. Et, et lorsque euh, Elena est passée au Japon récemment pour euh, sa conférence oui. qu'elle a fait, qu'on salue à Elena. Oui. Eh bien, euh, j'étais très émo émotif parce que. Et ils ont passé ma bande annonce de révélation Starfleet 3, Connection to Japan, sur un écran géant, devant tout le monde. C'est ce qu'a fini, quand elle a fini la conférence, elle a dit La prochaine fois, vous verrez Jean-Charles et vous verrez Elena, qui seront là. Et merci d'avoir été présent ici. Et là, ils ont éteint les lumières, et là, ma bande annonce est passée devant le peuple japonais. J'étais. J'ai vu la vidéo, puis j'ai fait, oh my god, c'est ça qui m'attend. Le Japon, frérot, le Japon. C'est ça. It was like a signature my DNA signature a, a like c'est ça c'est incroyable et chose en plus que mm -hmm. que d'ailleurs encore une fois aussi euh, juste à préciser Sendai mm -hmm. où je suis témoin quand, quand, quand ah. euh, l'application, la l'application elle avait buggé de téléportation où tu sentais que tu allais partir ah bah oui ouais, l'application S'appelle à la buggy euh, ouais, 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 live ouais, ouais. 360. Euh, voilà, live 360. Ouais, 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 ouais. Euh, où tu vois que comme par hasard, tu atterris dans cette ville là, exactement. Et que lors de avais même gardé un début de code postal, oui, t'avais fait tes voyages, oui, parce que j'avais écrit à, à la personne de mon voyage dans la nuit. Et la, la, la lettre m'est revenue parce qu'il manquait euh, un code postal, mais c'était euh, Golden Road, c'était la route qui menait au Mont Fuji. Voilà. Donc c'est voilà. Mais en tout cas, euh, on ah, a ouais. hâte de, de voir le, le troisième volet de ce que tu vas pouvoir découvrir. Et je. Encore <coughs> une fois. Euh, ouais. Bravo, bravo pour ton. Parcours. Alors je ne sais pas si on a pu couvrir tous les sujets euh, aujourd'hui. Il y a toujours des choses on dire. On a, couv à, à on a dire. couvert pas mal. Oh, en tout cas, euh... je veux quand même, avant que certaines personnes disent, euh, ils ont encore fait une vidéo où ils se plaignent. Oui, <laughs> l'autre fois, on avait fait une vidéo, euh, c'était quoi la vidéo Mise au point. Oui, euh, ce monsieur ce se plaint. Droit de réponse. Ouais. À un moment donné, quand tu te fais taper dessus, tu ne fais pas comme euh, je ne tends pas l'autre joue. Hein. Non, désolé. Non. Donc là, il se trouve que j'ai des éléments et des preuves de ce que j'avance. Je ne vais pas les mettre dans un temps en disant. Je vais pas les mettre parce que je n'ai pas envie qu'on me prenne pour un prétentieux. Je veux pas changer la chronologie de l'histoire des, des, des divulgateurs. Je veux pas faire de la peine ou vexer les gens. eh hey, alors je vais, laisser, je vais me laisser les gens me cracher dessus, m'insulter, me traiter de menteur, de ça. voleur, tu... parce que je veux pas que non, Lego, les machins comme certains disent, oh là, qui fait des conférences devant mille personnes, il fait des films. Bonjour Lego. Et puis ces personnes là, leur rêve c'est de faire des conférences à guichet fermé. C'est drôle, pareil. Alors, euh, c'est valable pour toi, c'est valable pour moi. Ça. Moi, euh, on ne me l'a pas donné. Hein. Moi, euh, je suis désolé, hein. je travaille des nuits. Je, je, quand j'ai travaillé sur mes documentaires et mes films que j'ai traduits en français, en anglais, en italien, en espagnol, en roumain, euh, en brésilien, en portugais, euh, j'ai travaillé 17 heures par jour sur ma machine. Et... Mais bon, je vais bien, mais, mais pour dire que j'ai pas été bien tendre avec... Euh, mon véhicule, qui est le premier qu'il faut faire attention, hein. il faut prendre soin de son véhicule, c'est important, son enveloppe corporelle. Et donc, j'ai tiré sur la corde. Alors, quand les gens me disent, ouais, l'autre, ils vont ses films, hey, fais ce que je fais autant, avec autant d'acharnement et autant de cœur que je mets euh, et on en reparlera. Okay. et courage, un travail et courage. Co oui merci t'afficher comme ça oui courage. mais c'est un travail comme un autre à un moment donné euh, tu dois respecter le travail que quelqu'un fait que t'aimes ou que t'aimes pas ce qu'il dit tu dois reconnaître l'effort qui a été fait et fourni Ouais. Travailler, aller dans, les, dans la mer des Bahamas, nager avec un requin derrière moi, alors je ne le savais pas, être entouré de scorpions euh, ou de, ou de, de serpents à sonnette euh, euh, dans le désert du Nouveau-Mexique en marchant euh, dans le désert comme ça pendant des heures avec euh, 45 degrés. Je veux dire, il y a plein de trucs euh, tu, que j'ai fait où les gens n'ont pas idée. Ils pensent que, ouais, je dis voilà. ça, mais je grossis les choses. Non, non je grossis pas les choses, c'est la vérité. Et j'ai des bandes de qui prouvent ça, j'ai des making j'ai tout ça. Donc après, si tu veux pas les voir, c'est pas mon problème. C'est après, c'est pas, je vais pas te forcer en te tirant non, non. par la main. Viens voir ça. C'est disponible. Si tu veux, euh, va sur ma page Facebook ou sur euh, mon, mon channel YouTube euh, Jean-Charles Moyen et tu verras dans les favoris. J'ai mis euh, toutes les euh, la plupart, il hein, y en a quasiment 70 les entrevues que j'ai fait dans le monde entier avec euh, plein de gens euh, partout. Il y a quelqu'un qui veut me recevoir en Australie aussi. Euh, des capsules et tout ça. Oui, mes capsules la... gratuites, mes capsules, les deux saisons. Euh... Donc voilà, mon cher ami, c'était... En tout cas, analyse. je te remercie parce que ça a été très dense. Il y a eu beaucoup d'informations. Oui, peut-être un peu. De... Beaucoup, oui. Beaucoup de... 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 Tu as remis l'Église au milieu du village. Ouais, ouais. Encore, encore une fois, donc c'est un droit de réponse 2.0. Exactement. Et voilà, je te remercie infiniment. Et surtout préciser encore une fois, Donc, on peut te retrouver sur. Ah, ben. Sur euh, mon site internet, jcmoyen.com, sur lequel vous pouvez trouver tous mes films disponibles. Euh, sur ma page Facebook, euh, Rive Sud d'origine euh, et puis mon compte personnel, Jean-Charles Moyen. Je n'ajoute plus personne parce que j'ai à peu près 2500 euh, euh, demandes d'amis, et, et l'autre fois, j'en ai supprimé plein, malheureusement, et j'en ai reçu, euh, au bout de trois jours, euh, 999. Quand je ne réponds pas aux emails, ce n'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas. Je vous assure, du fond du cœur, je, je ne peux pas répondre à tous les emails de tout le monde. Alors je m'excuse auparavant euh, parce que je ne peux pas vous répondre à tous. De temps en temps, je réponds, mais là en ce moment je suis tellement occupé avec les conférences qui s'en viennent. Je voudrais quand même, même écrire ça. mon bouquin quand même, mais euh, ça c'est plus tard. Et puis, mon, mon sixième film que je fais. Ouais. Voilà. Et je voulais saluer mes parents, euh, que j'aime plus que tout au monde. Et on les Encore salue. Encore une fois. Ouais, de m'épauler, de, les... de me supporter et, et de m'avoir protégé toutes ces années. Et, euh, et je les aime très 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 fort et je vais les retrouver bientôt et je suis très très heureux de pouvoir les serrer dans mes bras encore une fois. Et quand ils étaient présents, la première fois de leur vie, qu'ils ont vu leur fils sur scène devant 1000 personnes, ça faisait 14 ans que je n'avais pas vu mes parents, euh, l'émotion était intense parce qu'ils étaient à peu près à 2 m de moi. Imagine, ça hein, fait plus de quasiment 13-14 ans que je ne les ai pas vus. Là, je les vois en face de moi. Et je suis sur scène et je parle de ma vie. Et je vois ma mère et mon père qui pleurent. Ben bah oui, parce pleurent. que pour eux, pour eux c'est la concrétisation de. Bah, il de il ce ils ne s'étaient pas rendus compte... Oui, rendu compte de l'ampleur du, du, du truc, tu vois. Euh, donc euh, là, ils il réalisent tu sais, la sécurité qui les accompagne. Euh, les gens Stangley Innovation 1000 personnes debout qui, qui scandent ton nom, qui, qui applaudissent et qui t'envoient de l'amour, qui crient qu'on t'aime. 1000 et puis ça, ça a pas duré une minute, hein. ça a duré 4-5 minutes. C'est long, hein. Et moi, je, à un moment donné, je me contenais, tu sais, jusqu'au moment donné où je pouvais plus, parce que mon pays, c'est quand même la France. Donc, de savoir que les Français étaient là pour toi et tout, c'est un moment, euh... c'est indescriptible. Et ça va être encore de nouveau. Euh... En plus, là, je vais être sur scène le jour de mon anniversaire hein, dans le Ladon. Hein. Le 7 juillet, ouais. je vais être sur scène. Donc, euh... tu t'imagines que c'est, c'est, c'est particulier. Terima <laughs> kasih. <laughs> En tout cas, dans les années 90, d'avoir des parents aussi extrêmement ouverts d'esprit et d'avoir accepté d'avoir un enfant particulier. Ils n'avaient pas le choix d'avoir... Dans qu'ils vivaient, ça. Oui, mais ils t'avaient accompagné. Oui, ah bah oui. Ils auraient pu avoir peur. Ils me mettre dans un institut. la totalité des parents, bloqués, et te mettre en psychiatrie, et te rabaisser, etc. Exactement. Donc, si vous écoutez ce message, si vous avez un enfant qui développe des facultés... Paranormal, surtout écoutez-le, accompagnez-le, enfin, accompagnez-le, c'est important. Et notez tout ce qu'il dit dans un carnet de bord. Donc, en merci, tout cas, à bientôt. Merci. merci à tout le monde de nous avoir suivis. Merci à tout le monde pour votre écoute, votre patience. vous pas voir euh, sur la chaîne de Jean-Charles. C'est ça. Euh, il y a aussi les, capsu les capsules. Ah, et ah. un autre fait que je voulais pré préciser. Oui. C'est que je vois beaucoup de commentaires aussi, est-ce que le film est en français Oui, le film est en français puisque je suis français. Les films française. que tu tout. fais sont d'abord en français. français et ensuite et après. sont adaptés en anglais, doublés ah, oui, en oui. anglais ou que oui. ce soit sous-titré en anglais. Tout à fait. Et après ça a été même sous-titré en portugais, en espagnol, en, en brésilien. En voilà, tout à fait. Et euh, en brésilien. Voilà. Voilà. Donc merci beaucoup et comme je dis souvent, seul on va vite mais ensemble on va plus loin. Merci, Merci beaucoup. Avec plaisir, frère. Salut. Bye.